Minister of Agriculture and Rural Development, the Secretary General to the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Inspector General to the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Regional Director of CIRAC Central Africa, the Coordinator of FABA, all senior officials of MINADEC, of course, all protocols duly observed, distinguished guests, ladies and gentlemen. Produce more banana and plantain without pesticides, the objective of the workshop to present the pedagogy as access educational tools of the training, agriculture training for banana plantain in Africa. This workshop opened under the auspices of the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bayrobe, with the following program. We are going to start with the singing of the national anthem. Then after we are going to have an address by the Regional Director of the International Cooperation Center for Research, Agronomy for Development, who also doubles as a representative of the National Research Institute for Agricultural Food and Environment. Then after we listen to the key interest opening speech of the Minister of Agriculture and Rural Development. After the minister's speech, we are going to have the presentation of the projects. First presentation will be done by the coordinator of the NDCF MINADEC. After we are going to have the presentation of the coordinator of FABA and CIRA. After those presentations, we are going to have the presentation of the pedagogy resource, and that will be done first by the video projection. Secondly, we are going to have the producer's sheet. After we are going to have the pedagogy sheet, and we are going to have the manual that will also be presented on the production of banana plantain without pesticides. We are going to also present the internet site, good photograph and interview will conclude the first phase of this program. Deliberations will continue after the session. Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Madame le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur l'inspecteur général du Développement Agricole au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur le directeur régional du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, Monsieur le coordinateur du projet de formation agricole pour la banane plantain en Afrique, Mesdames et Messieurs, distingués responsables, en vos titres et rangs respectifs, Son Excellence Gabriel Bayrobe, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, préside ce 25 avril 2023 la cérémonie protocolaire d'ouverture du séminaire de présentation des ressources pédagogiques du PABA. Le programme de cette cérémonie est le suivant. Exécution de l'hymne national, allocution du directeur régional du CIRAC, représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, mais aussi de l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France. Le discours d'ouverture de l'atelier par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, la présentation du projet FABA qui sera faite par M. Eric Avom Alara, coordonnateur national du projet national, de développement des cultures fruitières, et par le Dr Sylvain Depigny, coordonnateur du projet FABA. Suivra la présentation des ressources pédagogiques du FABA, une photo de famille et des interviews clôtureront cette cérémonie protocolaire. Le ministre va ensuite se retirer et les travaux vont continuer après la pause. À présent, Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Mesdames et Messieurs, nous vous prions de vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, 1, 2, 3, chant. Nous laissons de nos ancêtres, vaillons-nous et jaloux de ta liberté. Comme un soleil dans ta peau, fier ma tête,
aimons la grande foi et d'unité. Que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour. Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le programme prévoit à présent l'allocution de Monsieur Denis Desbaumier, directeur régional du CIRAD, et représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de France. Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, MINADER, Madame la secrétaire générale du MINADER, Messieurs les coordinateurs de la CEFA, de la FOP, Monsieur le coordonnateur du projet FABA, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes des bailleurs, Mesdames et Messieurs les présidentes et représentants des organisations paysannes, les GIC et autres groupements et les filières. Chers producteurs, chères productrices, transformateurs, transformatrices de la banane plantain, venus ici très nombreux, mesdames et messieurs les chercheurs experts du CARBAP, de l'IRAD, des projets et services techniques du MINADER, du CIRAD et du réseau PHARE, du Cameroun et de Côte d'Ivoire, vous qui avez contribué au projet FABA, chers partenaires, chers participants. C'est pour moi, au nom du projet FABA et au nom du CIRAD, donc c'est pour moi, représentant du CIRAD, un grand plaisir et un grand honneur de vous accueillir en cet hôtel Mérina de Yaoundé, où se tiendront deux journées, la première aujourd'hui de présentation du projet et de ses acquis, et demain, journée de réflexion, de proposition sur la suite à donner à ce projet FABA, projet de formation agricole de la banane plantain en Afrique. Ce projet vient de s'achever après deux années d'activité intense, je dirais de terrain à la fois physique, de terrain partenarial, institutionnel, suivi à partir de maintenant d'une année de valorisation, de communication, de faire savoir les acquis du projet. Aussi convient-il de rappeler brièvement les objectifs de ce projet FABA. Il est financé par le ministère français des Affaires étrangères et de l'Agriculture et a pour objectif premier de produire des ressources pédagogiques pour accompagner les productrices et les producteurs de la banane plantain, également les transformateurs et transformatrices et leur encadrement, vers une production plus performante et plus durable, sans pesticides, agroécologiques, en Afrique centrale et de l'Ouest. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont été les deux pays cibles retenus pour ces deux sous-régions, qui sont des pays de coopération majeure pour le CIRAD et qui ont permis une forte mobilisation des acteurs et des partenaires.
Ces ressources pédagogiques ont été élaborées via l'animation de groupes de travail intégrant des experts de la culture du bananier plantain et des acteurs de la formation agricole du Cameroun, de Côte d'Ivoire et de France. Elles ont été développées pour être utilisées selon différentes situations de formation, soit en autonomie totale, soit dans le cadre de parcours de formation professionnelle. Le coordinateur du projet, Sylvain Dépigny, précisera les nombreuses et diverses ressources pédagogiques issues de ce projet. Ce travail de production et de valorisation est certes collectif, mais il faut ici remercier Sylvain pour avoir parfaitement piloté ce projet et avoir su fédérer et animer les partenariats en faisant valoir au profit de toutes et de tous une expertise reconnue en matière de bananes plantain. Nos sincères remerciements s'adressent aussi et tout particulièrement à l'Institut Agro de Montpellier et au réseau international phare, c'est la formation agricole et rurale que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, donc partenaires qui ont appuyé le projet coordonné par le CIRAD. Remerciements également aux partenaires camerounais, ACFA, AFOP, CARBAP, IRAD, MINADER, LTA de Yabassi et Ivoirien, ANADER, CNRAS, CSRS, FIRCA, PNMR, excusez-moi pour ces acronymes que je ne vais pas développer ici, ce sont tous des acteurs de la recherche et du développement concernés par la filière plantain et le développement durable de l'agriculture, qui ont tous apporté une contribution significative au projet. Pour finir mon propos, je souhaiterais dire ici l'importance de la diffusion et de la mise à disposition au profit du plus grand nombre de l'ensemble des matériels pédagogiques produits par le FABA, qui sont pour certains déjà réalisés, disponibles, et pour d'autres à venir. Alors cette diffusion, elle ne peut se faire qu'à travers les services de développement du MINADER, que je remercie à nouveau ici très sincèrement pour son engagement, et ses projets et programmes liés, dont la CFA et son rôle pilote de conseil agricole, la FOP, la formation professionnelle, évidemment au cœur de ce projet, mais aussi, et vous en êtes les témoins, tous ceux qui constituent l'interprofession de la banane plantain. On pourra dire que les choses sont en train de prendre consistance à partir d'aujourd'hui, de ce projet, c'est très encourageant. Donc le grand intérêt des acteurs de la filière banane plantain est à l'évidence reconnu à partir de ce jour, il l'était avant, mais il est en train de s'organiser, de se structurer. Grand intérêt pour ces ressources pédagogiques qui constituent un point d'entrée majeur pour une amélioration quantitative et qualitative de cette culture dont M. le ministre ne manquera pas de rappeler l'importance pour le Cameroun. Merci à toutes et à tous de votre présence et merci de votre aimable attention. Thank you very much. That was the regional director of CIRAD. Distinguished personalities here present to beef up the production of banana plantain in Cameroon in preparation for the second festival of banana plantain that will be come November in the Southwest region. We are going to listen with keen interest the opening speech of the Minister of Agriculture and Rural Development. Sir, you have the floor. Madame la Secrétaire Générale et le Ministre of Agriculture and Rural Development, Monsieur le Directeur Régional du CIRAD et représentant de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, l'IRA, et de l'Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France pour l'Afrique centrale, Monsieur le coordonnateur du projet FABA, Monsieur les coordonnateurs
des projets ACFA, AFOB, ABC PADER et projets fruitiers qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'assister à cette cérémonie. Mesdames et messieurs les membres des fêtières des organisations de producteurs, Planocam, Snocam, ANPC et certainement j'en oublie d'autres qui sont venus assister à cette cérémonie. Mesdames et messieurs les producteurs, producteurs et acteurs de la filière banane plantain réunis ici ce matin. Mesdames et messieurs les membres de l'équipe FABA au Cameroun et en Côte d'Ivoire, les experts, distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs, mesdames et messieurs les partenaires techniques au développement, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de présider ce jour dans cette magnifique salle de Mérina Hôtel, l'atelier de présentation officielle de la mallette pédagogique produite dans le cadre du projet Formation agricole pour la banane plantée en Afrique, en abrégé FABA. Permettez-moi à l'entente de mon propos de vous souhaiter à vous tous et à chacun d'entre vous une chaleureuse bienvenue dans cette salle de Mérina Hôtel et surtout vous remercier d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour honorer de votre présence notre invitation à cet atelier sur la banane plantée. Je voudrais remercier le directeur du CIRAD et tous les autres experts qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'aujourd'hui nous puissions disposer de cette mallette pédagogique qui, à coup sûr, pourra donner une impulsion particulière à la filière banane plantée. Dans la même veine, je voudrais exprimer la gratitude du gouvernement à notre partenaire spécifique et technique, le CIRAD, et à l'ensemble des experts venus de France et de Côte d'Ivoire pour contribuer à l'amélioration de la productivité et de la production de la banane plantain au Cameroun, en particulier, et en Afrique en général. Je voudrais, pour mémoire, vous dire que la banane plantain dans notre pays contribue à hauteur de 16% aux revenus des producteurs et représente 4,5% du produit intérieur brut agricole au Cameroun. Il est une denrée de base importante pour la sécurité alimentaire après le maïs, le riz, le manioc. Il mobilise environ 700 000 acteurs, soit 92% des acteurs dans le domaine. Ce sont des petits producteurs. Le bananier plantain est l'une des cultures prioritaires retenues par notre stratégie nationale de développement pour la création des emplois et la satisfaction des besoins des agro-industries camerounaises. Elle est cultivée dans cette région méridionale et dans un département de l'Adamawa, à savoir le Mayo. D'après notre stratégie de développement du secteur rural, adossée au plan d'investissement national agricole, SDR / PENIA 2020-2030, la production actuelle de la banane plantain au Cameroun est estimée à environ 5 500 000 tonnes et pourrait dépasser le seuil de 7 500 000 tonnes en 2025 pour atteindre 10 millions de tonnes en 2030 selon notre stratégie de planification. Les rendements, quant à eux, devraient passer de 14 tonnes à l'hectare en 2025 à plus de 16 tonnes à l'hectare en 2030. La politique d'import-substitution impulsée par le chef de l'État et coordonnée par le Premier ministre chef du gouvernement a déjà donné le cap de cette orientation. Le chef de l'État lui-même, dans son intervention le 31 décembre 2022, disait, et je le cite,
le renforcement de la production locale, la réduction de notre dépendance aux importations et la promotion du Made in Cameroun doivent s'accélérer avec la mise en œuvre coordonnée de la politique d'import-substitution. Fin de citation. C'est dire la volonté du gouvernement de booster la production locale, mais pour atteindre ces objectifs, il faudra avant toute chose surmonter le principal handicap de la culture de la banane plantain, à savoir la faible maîtrise des itinéraires techniques dans la conduite et la gestion d'une bananeraie qui se traduit par de faibles rendements aujourd'hui estimés entre 4 et 7 tonnes à l'hectare, alors qu'on peut atteindre aisément les 20 tonnes en utilisant judicieusement tous les résultats éloquents de la recherche applicable dans le domaine de la culture de la banane plantain. C'est donc pour contribuer à l'atteinte de ces résultats que le projet FABA a entrepris, avec l'appui des équipes pluridisciplinaires d'experts camerounais, ivoiriens et français en charge du développement du bananier plantain, d'élaborer des ressources pédagogiques innovantes qui seront mises à disposition de tous les acteurs. Il s'agit pour chacune des 13 thématiques traitées d'une vidéo pédagogique, d'une fiche producteur et d'une fiche pédagogique. Un manuel de culture du bananier plantain en culture principale sans pesticides a été également associé à cette mallette pédagogique. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the FABA project, together with multidisciplinary teams of experts in plantain cultivation, training and agricultural advisory services from Cameroon, Côte d'Ivoire, and France, has designed innovative tools that will be made available to all stakeholders in order to meet this major training challenge. Each of the 13 themes covered includes a video, a producer information sheet, and a training sheet, as well as a manual on plantain cultivation without pesticide. It is worth noting that MINADER has been supporting this initiative from the outset, to various senior staff from different programs who have sustainably contributed to the discussion and preparation of these training tools. It is therefore important to inform a wide range of stakeholders in order to promote the use of these tools and to identify the best possible strategies for their dissemination and distribution. The ultimate goal is to boost plantain production following training or self-training sessions, which shall mainly focus on videos. I wish you all a successful meeting and hereby declare open the workshop to officially present the FABA project training kit in Cameroon. Long live agriculture and plantain subsector. Long live international cooperation. Long live Cameroon and its prestigious leader, His Excellency Paul Biya, Head of State, promoter of second generation agriculture. Thank you for your kind attention. La prochaine articulation de notre programme est la présentation du projet FABA. Elle sera faite par le docteur Sylvain Depigny, coordonnateur du dit projet. Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Madame la secrétaire générale de MINADER, Monsieur le directeur régional du CIRAD,
chers invités, merci à tous d'être là aujourd'hui aussi nombreux. C'est un immense plaisir pour moi, qui ai vécu quelques années dans ce pays, dans une petite ville qui s'appelle Djombé, d'être à nouveau ici, de voir autant de gens réunis pour parler de la filière banane plantain, de voir quelques collègues du CARBAP avec lesquels j'ai travaillé. Je les salue au passage. Je remercie tout particulièrement l'équipe FABA, ici présente, vous l'avez peut-être remarqué avec des écharpes blanches et le logo FABA, qui ont beaucoup contribué. Alors ici, on a principalement l'équipe camerounaise. On a quand même un représentant de la Côte d'Ivoire. Et je remercie tout particulièrement Marie Pals du réseau Phare, qui se cache au fond et qui est l'organisatrice principale de cet atelier de main de maître, et Eric Avon du Mineder, qui a vraiment aussi contribué beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir un petit peu. Alors je vais maintenant rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour vous raconter un petit peu cette histoire FABA. Comment nous est venue l'idée de monter ce projet et c'est quoi finalement ce projet FABA dont on parle? Alors pour ça, j'ai décidé de raconter un peu, non pas une histoire, mais de repartir dans le contexte de la banane plantain en Afrique. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est des paysages que vous connaissez bien mieux que moi, que vous croisez sur vos routes tous les jours. Alors c'est des systèmes de culture, certains de jardins de gaz, d'autres associés plantain culture vivrière, d'autres plantain cacao, qui est une culture quand même assez présente dans la zone. C'est ce qu'on appelle parfois des systèmes de culture traditionnels, comme si le mot traditionnel voulait dire qu'ils sont un petit peu archaïques. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on est un peu haut là, est-ce que Vénop peut régler un peu? Je vais vous dire, ces systèmes-là, aujourd'hui, c'est au moins 90% de la banane plantain que vous consommez tous les jours. Ça, c'est vrai au Cameroun, mais c'est vrai dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Je ne dis pas ça pour dire qu'il faut rester sur ces systèmes. Je dis simplement que ces systèmes, il ne faut pas non plus les mettre à la poubelle. Ils représentent à peu près 12 millions de tonnes produites chaque année de banane plantain sur le continent africain. Ce n'est pas du tout négligeable. L'Afrique est d'ailleurs le premier continent producteur de bananes plantains au monde, suivi de l'Amérique du Sud, qui produit quelques milliers de tonnes en moins, vous êtes à peu près à l'égal, et de l'Inde, qui produit à peu près 5% de la consommation mondiale, de la production mondiale de bananes plantains. Donc, c'est pas négligeable. Néanmoins, on sait tous, je l'ai vécu quand j'étais au Cameroun, et à force de parler avec vous, je le sais, les prix du plantain sont élevés, parfois de plus en plus élevés, à certaines saisons très très élevés, et c'est encore plus marqué en Afrique de l'Ouest parce que la saison sèche est un peu plus forte, parce que la demande est très supérieure à l'offre. Et puis, si la demande est supérieure à l'offre sur les marchés, il y a aussi une demande qui pointe quelque part, qui est difficile à estimer en quantité, mais on sait qu'il y a des entrepreneurs agroalimentaires qui souhaitent transformer la banane plantain, et je crois que l'actualité internationale, mondiale, a rappelé la nécessité pour le continent africain de produire ses propres farines pour faire ses propres pains, de produire ses propres farines infantiles, et puis pourquoi pas imaginer d'autres produits. Je travaille aussi beaucoup avec les Antilles, on commence à avoir des bananes plantains surgelées pour passer les moments où il y a moins de bananes sur les marchés. Voilà, tout ça, c'est une nouvelle demande qui implique une production régulière. Quand on ouvre une usine, il faut lui donner 2 tonnes, 3 tonnes, 15 tonnes, 25 tonnes toutes les semaines. On ne peut pas dire là, c'est la saison sèche. Alors, tout ça, cette demande, ben en fait, elle fait rêver tout le monde à ça, ce que vous voyez. Alors ça, on appelle ça une monoculture de bananiers plantains. On peut appeler ça une parcelle de bananiers plantains en culture principale. En tout cas, il n'y a que des bananiers plantains. Alors c'est joli, hein, ça paraît pas mal. Et je sais que pour avoir vécu à côté d'une grande plantation de bananes dessert qui s'appelle la PHP, je sais que plein d'entre vous disent qu'ils rêvent de posséder leur PHP plantain. Alors pourquoi pas? Mais j'ai envie de dire attention.
Cette parcelle, on peut la regarder un peu de deux façons, ou on peut dire avec deux paires de lunettes. Alors c'est vrai que si on la regarde avec des lunettes optimistes et qu'on compte un petit peu vite, c'est très très intéressant. Hein, 1500 à 2000 bananiers à l'hectare, on peut faire des régimes de 10 à 20 kilos. On peut considérer qu'on est à peu près entre 100 et 200 francs de kilo. Ça fait un chiffre d'affaires très vite, très important, ça fait rêver, je vois les yeux qui brillent. 2 millions à 8 millions de CFA de chiffre d'affaires, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais pour faire ça, il y a plein de choses à faire. Il va falloir préparer la parcelle, trouver du matériel végétal, et on sait que c'est pas facile. Désherber, gérer les problèmes de la culture, les charançons, les nématodes, la cercosporiose. Il va falloir trouver de la main-d'œuvre, la payer bien évidemment. Est-ce que les bananiers vont vraiment rester debout? Est-ce que le vent va en faire tomber? Combien de temps va durer la parcelle? Parce que l'investissement qu'on va mettre, si c'est pour un cycle, est-ce que ça vaut le coup? Et puis, même si tout marche bien, on va récolter 1600 régimes au même moment. Il faut les emmener au marché. Il faut que le marché les absorbe. Et pour faire ça, moi j'entends souvent dire des agriculteurs qui ne vont pas faire ça, parce que ça, ça coûte très cher, et ils n'ont pas les moyens. Et alors c'est vrai qu'on met beaucoup d'intrants souvent dans ces systèmes-là, ou en tout cas on pense qu'il faut mettre beaucoup d'intrants, mais en fait, est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce qu'on est obligé de prendre la même route que son grand frère? Quand un grand frère il est arrivé à une destination, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller au même endroit? Quand je dis ça, je veux dire, est-ce que quand on pense à la banane dessert, qui est un peu le grand frère de la banane plantain, ok, elle est allée vers des grandes parcelles qui produisent beaucoup, est-ce que le plantain doit prendre la même route? Ce n'est qu'une question. Si je parle de tout ça, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire ça. C'est simplement pour dire que produire de la banane plantain, c'est un métier. C'est un métier au même titre que dans la salle, il y a des gens qui sont en train de nous filmer, c'est un métier, c'est technique, il y a des connaissances. Agriculteur, produire de la banane plantain, c'est pareil. On ne devient pas, du jour au lendemain, gestionnaire de son jardin de case ou de sa petite parcelle avec toutes les cultures, à gérer une grande parcelle de 30, 40 ou 100 hectares avec que de la banane plantain. Le risque est grand. Quand on a plein de cultures, on gère le risque financier, on gère la diversité alimentaire, on gère plein de choses en fait. Quand on n'a qu'une culture, si on rate, on rate. Il n'y a pas d'alternative. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Je dis simplement qu'il faut bien avoir conscience de ça et que produire de la banane plantain, ça implique des connaissances, des compétences, des savoir-faire, comme tout métier. Alors, c'est assez simple à comprendre. Hein. Si l'un d'entre vous, demain, se met à planter du plantain, qu'il n'a jamais fait, je ne vais même pas les lire tellement il y en a, on va avoir plein de questions. Hein, comment je plante? Est-ce que je mets de l'engrais? J'en mets quand? Ah tiens, il y a une feuille qui est jaune, qui n'est pas belle, pourquoi? Etc, etc. Tiens, il y a des charançons, qu'est-ce que je fais? C'est normal, tous les agriculteurs ont ce genre de problème. Il faut savoir répondre à ces questions. Pour répondre à ces questions, si je prends juste un exemple, pourquoi j'ai une feuille jaune sur mon bananier? Bah déjà, il faut être capable de savoir que j'ai une feuille jaune. Il faut être capable de savoir que c'est pas bien qu'elle est jaune. Pour ça, il faut des connaissances. Il faut la compétence de savoir regarder son bananier. Et puis si on sait que c'est pas bien et que c'est un problème et qu'il va falloir couper la feuille, bah, il faut un savoir-faire qui est de comment je vais couper. Bah, c'est ça, quand je dis que c'est un métier, c'est qu'on a besoin de savoir faire ça. Si je prends un deuxième exemple qui va plus vous parler et qui va faire la transition avec la suite, il y a des rejets qui poussent au pied du bananier. Savoir combien de rejets il faut laisser est une vraie question. Est-ce qu'on conduit en touffe? Est-ce qu'on conduit avec un seul rejet? Et ça, c'est aussi une connaissance, une compétence de gestion du bananier. Et savoir sélectionner et œilletonner, c'est aussi un savoir-faire. Tout ça, c'est l'objectif du projet FABA. L'objectif du projet FABA, c'est de partager avec les producteurs les connaissances du moment. On ne sait pas tout aujourd'hui, mais déjà ce qu'on sait, on peut le partager. Les gestes techniques, les savoir-faire pour produire plus. Monsieur le ministre a dit qu'il fallait mieux connaître les ITK. Voilà, déjà, pour maîtriser un ITK, il faut bien connaître la plante qu'on essaye de cultiver. Alors, FABA, en plus, il apporte une vision un petit peu particulière, qui est parfois critiquée, qui est de dire, on va faire ça sans pesticides.
Alors pourquoi on a décidé de faire ça sans pesticides? D'abord parce que les intrants, on l'a vu sur la culture de banane dessert, on est allé assez loin, on voit bien que ça pose des problèmes environnementaux. Mais on voit aussi récemment, comme je le disais tout à l'heure, que les intrants coûtent de plus en plus cher. Et puis, peut-être on peut faire un peu autrement. D'un côté, on a dit qu'on partait de systèmes très diversifiés, que vous savez gérer, les producteurs. Des systèmes où il y a des bananiers, de l'ananas, des cacaoyers, des palmiers au-dessus, parfois un reste de forêt. Ces systèmes, ils ont des avantages. Par exemple, on pourrait très bien imaginer avancer doucement vers une culture spécialisée en banane plantain, mais garder peut-être des cultures vivrières au sol, organisées. Et quand on va entretenir ces cultures au sol, ben en fait, on ne va pas mettre d'herbicides. Donc on va augmenter la production de l'unité de surface et on va diminuer les charges financières. C'est pour ça que je disais qu'on n'est pas obligé de prendre le même chemin. On peut faire de la culture spécialisée de la banane plantain, mais on n'est pas obligé de faire tout pareil. On peut garder des choses dans la parcelle pour diminuer le risque et pour que ce soit intéressant pour le producteur. Donc on pense aujourd'hui que l'idéal serait de penser, d'imaginer à l'avenir au Cameroun et dans les autres pays autour, des grandes parcelles où la culture principale est le bananier plantain, mais où on peut imaginer d'autres choses associées et où on va pouvoir du coup avoir presque pas de pesticides. Chaque agriculteur fait comme il veut, c'est pas un dogme. L'agriculteur c'est mieux que nous, mais si on dit on essaye de faire 100 pesticides, c'est peut-être on va en mettre un pour sauver la parcelle, mais on va pas en mettre systématiquement tous les 15 jours. C'est ça l'idée. Et cette vision, en fait, en même temps qu'on a construit le projet FABA, on l'a présenté au Salon de l'agriculture de Paris en 2021, et on a lancé une initiative avec les partenaires camerounais de FABA, les partenaires ivoiriens de FABA, et d'autres partenaires ghanéens, béninois, pour dire qu'on était tout un ensemble, un consortium de partenaires à penser qu'on pouvait faire de la recherche pour faire cette culture de banane plantain performante, produire plus, mais sans pesticides. Et c'est pour ça qu'on a inscrit le projet FABA dans cette dynamique. Alors par contre, pour faire ça, il fallait une méthode un peu originale. On a décidé de mettre autour de la table des gens qui créent de l'innovation, des chercheurs qui sont un peu à la pointe de la connaissance, qui travaillent sur bananier plantain, qui cherchent comment on peut arrêter un charançon qui approche le bananier, comment on peut mettre de deux fois moins d'engrais sur un bananier. Donc ça, c'est vraiment de la création de connaissances, d'innovation. Et puis on a mis autour de la table aussi les gens qui conseillent tous les jours les agriculteurs ou qui les forment, donc le conseil agricole, la formation agricole, et puis on a mis des producteurs. Et on s'est dit, ensemble, on doit pouvoir inventer cette culture de demain du bananier plantain sans pesticides. Et FABA, c'est ça sa force, c'est qu'on a travaillé sur un continuum et on a essayé de prendre en compte tout ce qui existe de nouveau, comment c'est transférable aux agriculteurs, comment ils peuvent se l'approprier. Parfois, ils nous ont dit, mais votre truc, là, de toute façon, on ne fera jamais ça, c'est trop de travail. À nous de démontrer qu'on peut peut-être le faire. Voilà, on a essayé de travailler vraiment ensemble. Tous ces éléments que je viens de présenter, donc qu'on pourrait résumer sous deux items, un item où on met en avant l'agroécologie, et puis un autre où on met en avant la formation, les jeunes, l'impact, la modernité du numérique, et bien c'est ça qui a donné probablement envie au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et au ministère de l'Agriculture français de financer ce projet, qui est devenu donc le projet FABA tel que vous connaissez et dont on parle aujourd'hui. Donc ça, c'est pour un peu l'histoire du projet. Maintenant, concrètement, comment on a fait FABA? Alors déjà, FABA, c'est... J'ai remercié l'équipe FABA tout à l'heure, mais je peux encore le refaire. C'est une équipe... C'est une grande famille, j'ai envie de dire, qui s'est rencontrée à distance au tout début du Covid. Parce que malheureusement, ce projet a été... ce projet a été signé au tout début du Covid. Donc toutes les premières missions de rencontre n'ont pas pu se faire. Et donc on s'est rencontrés entre partenaires à distance. Et on a cherché comment fonctionner ensemble. Et donc, on a créé des groupes de travail avec des personnes ressources de plein d'institutions. Donc, vous voyez, il y avait 11 groupes de travail dans FABA. Donc, ça représente pas mal de groupes. Avec, pour chaque groupe, la même structure. Des gens du Cameroun, des gens de la Côte d'Ivoire et de la France. Et à chaque fois, des experts de la formation et des experts de la culture du bananier plantain. Donc, je remercie beaucoup tous ces gens d'avoir fait vivre le projet, d'avoir pris leur part,
d'avoir été même au-delà de nos espérances initiales, puisque aujourd'hui, je dois dire que si je suis un peu le père de Faba, ça fait longtemps que le projet m'a échappé. Mais c'est une très bonne chose. Alors, cette équipe, donc je l'ai dit, elle, voilà à peu près toutes les institutions les plus représentées, il y en a d'autres, toutes ces institutions sont officiellement auteurs des ressources pédagogiques. Alors, ces institutions, elles sont réparties entre la France, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui sont nos deux pays pilotes, comme l'a dit Monsieur De Pommier tout à l'heure. Et puis, comme je viens de le dire, avec des acteurs de la recherche et des acteurs de la formation agricole et du conseil agricole. Et puis, on a le réseau phare, qui est international, voilà, qui accompagne l'ensemble de la dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que ça serait trop long, mais je vais juste marquer un peu un jalon des grandes étapes. La première étape, ça a été d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a autour d'un producteur de plantains au Cameroun et en Côte d'Ivoire et au Ghana, par exemple. Et on s'est rendu compte que dans les discussions qu'on avait, deux acteurs principaux ressortent, les formateurs et les conseillers agricoles. C'est eux qui apparemment influencent beaucoup la façon dont on va faire la culture de la banane plantain. Et le pépiniériste, alors ça, c'est pas très étonnant. On a discuté, monsieur le ministre, hier, du fait que la problématique matériel végétal est très importante. Voilà, on le voit ici. Les autres acteurs sont importants aussi. Mais on voit bien que ces deux sont les plus importants, ce qui nous a confortés dans notre idée que la formation des producteurs était vraiment nécessaire et indispensable. Dans un deuxième temps, on a été voir les producteurs. Donc on a enquêté une centaine de producteurs dans quatre zones de production dans chaque pays pilote, Cameroun et Côte d'Ivoire, et puis ensuite dans un troisième pays, dans un deuxième temps, qui est le Bénin, pour aller leur demander de quoi ils avaient besoin. Alors de quoi ils avaient besoin pour produire plus de bananes plantain, pour produire mieux la banane plantain, et si on leur disait de le faire sans pesticides, quels seraient leurs besoins en plus? Donc ça, c'est des documents que vous pourrez bientôt trouver sur le site internet du site FABA. Des documents très riches qui ont été conduits par des experts locaux de chaque pays. C'est de très très belles photographies de la filière plantain de vos pays. C'est très très intéressant. Ces documents ont été partagés dans le cadre d'un premier atelier en Côte d'Ivoire. La première fois qu'on a pu se réunir en passant à travers les mailles du Covid, c'était en septembre 2021. On s'est réunis à Abidjan et on a partagé tous ces premiers travaux. Et là, on est arrivé au cœur vraiment de ce qui a fait le projet FABA, c'est le référentiel de compétences pour être producteur de bananes plantain. Qu'est-ce que je dois savoir faire pour être producteur de bananes plantain? Alors tout ce que vous voyez ici en vert, c'est ce qui va être dans les ressources pédagogiques FABA. Alors je ne vais pas les détailler, ce serait trop long, mais vous voyez, les gens ont besoin de connaître le bananier plantain. Ils ont besoin de savoir comment lutter contre les bioagresseurs et les ravageurs du bananier. Ils ont besoin de savoir comment fertiliser le bananier et puis comment faire que les bananiers ne tombent pas pour le vent. Après, c'est décliné de façon plus fine. Ça, c'est vraiment l'itinéraire technique, hein, tel qu'on le décrit, basiquement, de comment je conduis un bananier plantain. Ça, c'est les besoins exprimés par les producteurs. C'est pas nous, c'est les producteurs qui disent « on veut savoir faire ça » et on a besoin d'être accompagnés pour savoir faire ça mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a identifié d'autres besoins qu'on n'a pas pu adresser dans le projet FABA, parce qu'on ne peut pas tout faire dans un projet de 2 ans. Former les gens à l'esprit entrepreneurial. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, produire de la banane plantain, c'est un métier. Mais aussi, c'est une petite entreprise, être agriculteur, et donc il faut savoir, j'ai envie de dire, compter, simplement, mais voilà, voir comment on s'en sort financièrement. Lutter contre la sécheresse, on parle de plus en plus de changement climatique. Ben oui, c'est intéressant de se poser des questions. Est-ce que nos variétés, elles ne pourraient pas être plus résilientes au stress hydrique? Savoir faire son compost pour fertiliser avec des matières organiques, voilà, etc. On a parlé aussi de gestion des pertes post-récolte et de petites transformations pour que le plantain produit, si on en produit plus, qu'il ait bien le temps d'aller jusqu'au marché et qu'il ne se perde pas. On sait qu'il y a beaucoup de pertes aujourd'hui. Donc ça, ce ne sera pas traité directement par le projet FABA, mais c'est identifié et c'est intéressant, ça va donner aussi des pistes pour ou de futurs projets ou des activités de recherche et de développement. Alors maintenant, la mallette pédagogique. Donc voilà un peu comment on est arrivé
à créer des ressources pédagogiques. Cette mallette, je vais la présenter assez rapidement, parce que je laisserai les collègues la présenter chaque ressource plus finement. Cette mallette, c'est un peu, si je reprends la diapositive de tout à l'heure avec toutes les questions autour du bananier, et bien en fait, on a essayé de les organiser, et on les a organisées en 13 thématiques. Et ces 13 thématiques, si je simplifie, elles racontent l'histoire du bananier, de sa plantation et du choix de la variété jusqu'à sa récolte. Et donc, on passe par... comment le bananier fonctionne, sur quelle parcelle je mets mes bananiers, et puis quelle variété je mets, comment je choisis mon matériel de plantation, est-ce que je mets du rejet, est-ce que je mets du pif, est-ce que j'ai la possibilité d'acheter du vitroplan, quelle densité je mets, est-ce que je fais une densité de 1000 pieds hectare et que ça dure longtemps, ou est-ce que je sais que ma parcelle va durer pas longtemps, et du coup je mets 2000 pieds d'un coup, comment je maintiens ma densité, l'œilletonnage, on va en parler tout à l'heure, comment je fertilise, comment je gère tous les problèmes qui vont arriver, le charançon, ennemi numéro 1 du bananier, plantain, les nématodes, la cercosporiose. Voilà un peu comment sont organisées les ressources. Et donc, à partir du mois de, donc depuis le mois de mars 2023, il y a une thématique qui est sortie chaque mois sur le site internet FABA. Et donc, chaque mois, vous allez avoir... des ressources. Alors, avant de les présenter un peu plus, ces ressources, je l'ai dit, elles sont centrées uniquement sur la production. Alors, je sais, c'est dommage, mais quand on conduit un projet, il faut aussi essayer d'aller au bout. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait déjà faire ça bien, et après, peut-être, on pourrait faire autre chose, la suite, dans la diapositive rose de tout à l'heure. Ce sont des connaissances actuelles. On partage ce que la recherche sait aujourd'hui, ce que les conseillers et les formateurs sont capables d'enseigner aujourd'hui, de transmettre, et ce que les producteurs sont capables de faire aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a la solution à tout, ça ne veut pas dire que dans 2 mois, il n'y aura pas quelque chose qui sera nouveau. L'idée, c'est de partager aujourd'hui. Et cette idée, elle est importante, on est vraiment dans une idée de partage. On n'est pas là pour donner une recette. Je sais que c'est très cher à M. Pierre Blazango, qui a beaucoup participé au projet. On ne dit pas comment faire. Le seul qui sait faire, c'est l'agriculteur, parce que lui, il connaît sa parcelle, il connaît ses contraintes, il connaît ses objectifs, mais c'est important que nous, on lui apporte les possibilités techniques qu'il a et la connaissance du fonctionnement du bananier. Et avec ça, lui, il va trouver la meilleure méthode. Et peut-être même, elle sera même mieux que celle que nous, on propose, mais ce n'est pas grave. Il faut lui expliquer comment le charançon vient attaquer son bananier pour que lui trouve des solutions. Voilà. Donc, ce n'est pas prescriptif, c'est un partage. Alors, c'est 13 thématiques à chaque fois. Donc, j'ai dit chaque mois, elles sont publiées. Donc, chaque mois, vous aurez une nouvelle vidéo pédagogique. Donc, le mois dernier est sortie une vidéo sur le charançon noir du bananier. Et à chaque fois, sont associées une fiche producteur, qui est une fiche technique qui résume quelque part à destination des producteurs. Et puis, une fiche pédagogique qui, elle, est à destination plutôt des formateurs, des animateurs de groupements. Mes collègues vous en diront plus tout à l'heure. Et un manuel de culture du bananier plantain sans pesticides synthétisera l'ensemble de tout ce qu'on a vu dans ces différentes ressources. Alors pour terminer, et c'est l'objet aujourd'hui, ce qui est important maintenant, les ressources vont sortir chaque mois, comme je l'ai dit, et maintenant c'est que vous vous en saisissiez, vous producteurs, vous responsables dans des institutions, qui coordonnait peut-être des programmes de formation ou qui pouvait former des gens via vos institutions. Ce sont des ressources qui sont innovantes et modernes. Elles sont numériques, elles sont sur le net, elles sont gratuites. C'était une volonté forte du consortium du projet FABA et du bailleur, le ministère des Affaires étrangères, et libres de droit. Et on les a voulu quelque part inclusives. C'est ce qui présidait à notre réflexion. C'était l'idée de se dire... Tout le monde ne peut pas aller à Yaoundé ou à Douala ou dans les centres de formation se former. Peut-être même parfois, ces dames ont moins la possibilité d'aller se former que messieurs. Peut-être les jeunes n'ont pas toujours la possibilité d'aller se former. L'idée, voilà, c'est d'essayer de casser un peu des barrières et de permettre à tout le monde d'accéder à ce partage. Voilà pour ce qu'il en est du projet FABA. Maintenant, je vais laisser la parole à Marie Pals du réseau Phare qui va... et à d'autres collègues qui vont présenter de façon détaillée chacune des ressources.
Thank you very much. That was the coordinator of FABA. And what is to be noted from this, his presentation, is that France, Cameroon, and Ivory Coast has come together to produce a manual that will help Cameroonian farmers to produce more plantain without pesticides. We are going to continue with our program, and this time around we are going to have a presentation of the pedagogic tools, and this will be done to us by Marie Blaise and Henok Kodok, Rizofa International and Rizofa Isi. She is going to introduce the other presenters. Marie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre. Je suis ravie d'être devant vous aussi pour participer à cette présentation des ressources pédagogiques FABA. Donc, comme vous l'avez compris, on passe maintenant à la phase, on va dire, de présentation plus détaillée des ressources. Donc, on a 40 ressources pédagogiques qui vont être en accès libre sur le site internet du projet FABA, avec donc 13 vidéos pédagogiques, 13 fiches producteurs et 13 fiches pédagogiques et un manuel. Donc vous comprenez bien que ça va être un peu compliqué de voir toutes ces ressources aujourd'hui. Donc on va surtout se concentrer sur une thématique en particulier qui est celle de la technique de l'œilletonnage et donc que mes collègues du projet FABA vont aussi vous présenter par la suite plus en détail. Pour introduire un petit peu ces ressources, on voulait revenir aussi sur l'esprit de création, d'élaboration de ces ressources et aussi notamment l'esprit de co-construction et les démarches et outils de formation qu'on a pu utiliser. Donc le premier élément, c'est notamment le fait qu'a été prise en compte une multitude de situations de formation et de conseils. À destination notamment des producteurs, mais aussi à destination des jeunes qui veulent s'installer dans le bananier plantain, et également des personnes qui sont en auto-formation, que ce soit des formateurs, des conseillers ou des producteurs, et également dans des situations de conseil, donc plutôt au champ. Que les ressources aussi soient libres d'accès, donc disponibles sur Internet. Alors c'est vrai que dans certaines zones, ça peut être un peu compliqué, mais il y avait aussi cette volonté de pouvoir télécharger les vidéos si c'était nécessaire. Ensuite, on a des ressources aussi, donc vous le verrez tout à l'heure, avec des vidéos pédagogiques, des fiches producteurs qui sont très illustrées. Donc c'était vraiment une volonté aussi de pouvoir renforcer l'accessibilité aux ressources, notamment pour aussi des publics qui sont analphabètes. Ensuite, donc comme a pu l'exposer Sylvain, on a vraiment travaillé en groupe pluridisciplinaire avec donc des chercheurs, des formateurs, des conseillers qui vraiment aussi ont pu apporter toutes leurs compétences spécifiques pour l'élaboration de ces ressources. On a aussi fait appel à des démarches et des outils d'ingénierie de formation qui sont des démarches aussi peut-être un peu novatrices sur des projets de recherche de ce type, avec une phase d'identification des besoins, notamment, et également ce référentiel que Sylvain vous a présenté tout à l'heure, référentiel du producteur de bananier plantain en culture principale sans pesticides. Et ensuite, donc, on a eu aussi l'implication des utilisateurs, donc des producteurs, de certains étudiants, dans le cadre de l'élaboration de ces ressources, via une étape de test des ressources pédagogiques sur le terrain. Donc vous aurez cet après-midi des témoignages de participants à ce test. Donc ils ont pu explorer ces différentes ressources sur le charançon, la gestion du charançon. Donc c'était un premier test en situation de formation. Donc maintenant je vais laisser la parole à Pauline qui va vous présenter une vidéo, donc la vidéo de l'œilletonnage. Merci. Donc je vais vous présenter une vidéo, c'est l'une des 13 vidéos pédagogiques, elles sont toutes sous le même format d'environ 15 minutes. Les objectifs, c'est vraiment de montrer des gestes techniques que l'on peut voir et revoir. C'est aussi d'avoir des explications pour comprendre pourquoi on propose ces gestes techniques. Et puis enfin, de connaître les pistes de recherche actuelles pour se préparer aux innovations futures. Voilà, donc je vous laisse visionner
la vidéo sur l'œil tonnage. Tous ces petits bananiers. Ça, je sais pas. Ah, Marie va là, d'autres là-bas. Peut-être c'est gâté ça. Ah, on va là encore d'autres. Regarde, on va aller demander au monsieur qui est en train de les enlever. Il est où? Là-bas. Ok, allons-y. Monsieur Eugène, dites-nous, pourquoi enlever cet enrégé du bananier plantain? On enlève le régé là afin d'obtenir un bon alignement de la plantation. D'accord. Deux, pour obtenir une bonne production en gardant la même densité que le nombre de pieds plantés. D'accord. Et obtenir enfin des gros régimes pour pouvoir les commercialiser. D'accord. Sinon, si on laisse les touffes, ça va nous donner des tout petits régimes et qui ne vont pas nous servir. Marie? Oui. Enlever les rejets qu'on a vu hier, ça a l'air vraiment intéressant. Je voudrais en apprendre plus. Qu'est-ce que c'est là? Bonjour. Bonjour. Bonjour, directeur. Alors, quel est l'intérêt de ne conserver qu'un seul rejet? Si vous conservez tous les rejets, comme on pratique beaucoup avec la touffe, vous avez plein de rejets et chacun va prendre de l'énergie pour pousser. D'accord. Donc, ils vont prendre de l'énergie au pied mère, à son régime. Et du coup, l'ensemble va pousser plus lentement et va être, les régimes probablement seront un peu plus petits. Okay. Si on décide de garder qu'un seul rejet, on va concentrer toute l'énergie du bananier sur le pied mère, qui va être plus robuste, et sur le régime, qui va être plus gros. Et on va aussi permettre au rejet qu'on a gardé de pousser plus vite. Et on peut aller jusqu'à gagner entre 1 et 4 mois à la récolte du second régime. Ça, c'est vrai? C'est intéressant. Ah, ouais. Pour savoir si vous avez sélectionné un bon rejet, il faut regarder que ses feuilles, au moment de la floraison de son pied mère, comme en ce moment, elles aient plus de 10 cm de largeur, c'est-à-dire qu'elles commencent à être fonctionnelles. Okay. Donc le rejet commence à être indépendant, et donc il commence à produire sa matière, sa biomasse tout seul. Okay. D'accord. Et donc du coup, il ne pénalise plus le pied mère. D'accord. Alors, M. Sylvain, j'ai l'impression qu'enlever plusieurs rejets, ça abîme beaucoup le bananier. Oui, si on fait l'œilletonnage trop tard, c'est-à-dire si on enlève les rejets trop tard, ils sont gros, et du coup c'est difficile, on risque d'abîmer le pied mère, d'abîmer les racines du pied mère, et donc le résultat n'est pas très productif. Ah, d'accord. Pour éviter ça, on va plutôt essayer de faire ce travail très tôt, c'est-à-dire au stade où les rejets sont encore des œilletons. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça va permettre d'éviter d'abîmer. Okay. D'accord. On va aller voir ce qu'est un œilleton. D'accord, sans souci, allons-y. Donc, comme je vous ai dit, voilà un œilleton. Donc, un œilleton, c'est un rejet naissant. Supprimer cet œilleton ne va pas trop blesser le pied mère. Et faire cette opération, ça s'appelle l'œilletonnage précoce. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'est un petit rejet. Parfois, les œilletons ne sont pas visibles. Et donc, il faut les laisser se développer pour voir les petits rejets comme celui-ci apparaître. Néanmoins, ces petits rejets, il faut les supprimer le plus tôt possible. Il ne faut pas les laisser se développer. Parce que sinon, on risquerait à nouveau de blesser le pied mère. Donc, on va essayer de les supprimer quand ils font moins de 10 cm de hauteur. Cet après-midi, nous allons vous expliquer la technique de l'œilletonnage précoce en détail. D'accord. Merci. Comment vous faites l'œilletonnage? Je place ma gouge derrière le rejet, j'enfonce pour faire
un trou qu'on appelle un lit. Là, je tire légèrement mon rejet et je place la gauche entre le rejet et le pied. D'accord. Et j'enfonce légèrement en inclinant un peu pour pouvoir atteindre le point de croissance, pour ne pas que le rejet soit mal coupé. Okay. Et j'enfonce. OK. Après avoir fini d'enfoncer la gauche, je remets la gauche sur mon côté et je me sers de levier pour pouvoir ressortir le rejet. Okay. OK. Et là, il sort mon rejet. Nous sommes dans une parcelle où il y a assez de gravats, donc il est un peu difficile. Donc il faut faire souvent très attention pour ne pas briser le rejet. Alors je referme mon trou. Quand tu refermes, il faut bien damer parce qu'il est important, sinon le pied risque de chuter. Si on le comprend pourquoi ces rejets peuvent gêner les pieds mères, ils doivent être supprimés. Je vais vous montrer un petit peu comment se passe le système d'émission de rejet. Là, nous avons déterré un plant de bananier, premier cycle, issu de vivoplants, et c'est la même chose avec des vitroplants. D'accord. Et ce bananier, donc vivoplan ou vitroplan, a une caractéristique, c'est qu'il émet des rejets profonds qui partent d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rejets. En général, c'est la première, on appelle ça la première couronne. Mm-hmm. Ces rejets ont un inconvénient, deux inconvénients. Mm-hmm. Il y en a un. C'est qu'en se développant, en augmentant de volume par leur base, ils vont petit à petit faire remonter le pied mère. Mmh. Et ce qui risque d'avoir des chutes. Le deuxième inconvénient, c'est que ces rejets inhibent la sortie des autres rejets. Donc ça empêche la croissance de ceux-ci. Voilà, inhiber, ça veut dire empêcher. Il envoie un signal pour pas que ces petits œilletons partent en rejet. Mmh. Et donc, nous, ce que l'on conseille au premier cycle, c'est d'enlever tous ces gros rejets qui sont partis en premier. Mmh. Okay. Et à ce moment-là, vont se développer ces œilletons qui vont devenir des rejets. Et ces rejets-là vont aller plus vite en développement. Super. Que les autres rejets qui étaient plus tardifs. D'accord. Ils vont se développer plus lentement. Et en plus, ça va donner un retour de cycle, donc une production plus rapprochée pour le deuxième cycle. C'est incroyable. Avec cela, pas avec cela. D'accord. Hé, Sylvain. Oui. Thierry nous a conseillé de supprimer systématiquement les 5 premiers rejets des vivoplants ou des vitroplants. Au premier cycle. Alors, comment faire pour conserver le bon rejet? Alors, il y a 3 critères. Oui. Le premier critère, il faut que le rejet ne soit pas trop profond. D'accord. S'il est trop profond, il va soulever le pied mère en grossissant et il va fragiliser les racines. D'accord. Ce sera donc ni bon pour le pied mère, ni bon pour le rejet. Ok. Par exemple, vous voyez ici le petit rejet. Oui. Si on gratte un peu entre le rejet et le pied mère, on voit qu'il y a une racine qui passe par-dessus. D'accord. Ça, c'est un indicateur que le rejet est trop profond. Okay. D'accord. Donc, on ne va pas choisir ce type de rejet. Le deuxième critère, c'est d'aller plutôt sur des œilletons qui vont avoir une bague. Oui. Okay. Donc, un œilleton, c'est ce qui précède un rejet, comme ce qu'on a ici. Et la bague, c'est ce qui est vert autour, qui en vieillissant va devenir marron. D'accord. On voit bien que là, il est en surface. Et cette bague est un indicateur de rejet robuste, vigoureux, qui va amener un gros régime assez rapidement. Ah. Okay. Donc ça, c'est un très bon œilleton. Okay. D'accord.
le troisième critère, c'est que en fait, on conserve l'alignement initial de la plantation. Oui. Là, on voit bien qu'on est sur une ligne. Donc, dans l'idéal, il nous faudrait un œilleton qui soit ici. Sur la même ligne. On voit que celui-ci, il répond à nos trois critères. D'accord. D'accord. Ok. Bah, et celui-là, alors ? Alors, celui-là, si on reprend nos trois critères, on voit qu'il est en surface. Oui. On voit qu'il a une bague. Ok. Donc ça, c'est plutôt des bons critères. D'accord. Mais par contre, il est perpendiculaire à la ligne. Ah. Donc on ne va pas le sélectionner, sinon la parcelle ne va plus être organisée. Ok. 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 Surtout, il ne faut pas avoir peur de supprimer des œilletons. Il faut savoir que à chaque fois que le bananier émet une feuille, il y a un nouvel œilleton qui sort. Ah. Donc du coup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui peuvent apparaître avant que vous voyez arriver celui qui est très bon et que vous allez choisir. Donc, il ne faut pas avoir peur d'enlever. Il ne faut pas être trop impatient et de se dire, ok, il va arriver, le bon œilleton avec une bague. Il ne faut pas avoir peur non plus, une fois qu'on l'a choisi, d'enlever les autres qui vont venir. Parce que si on les laisse, on va prendre de l'énergie et c'est contre-productif. D'accord. Voilà. Pour les enlever, on utilise soit une gouge, comme ça, soit une machette toute simple, comme tous les producteurs possèdent. Oui. Et ce travail d'œilletonnage et de sélection du bon œilleton, on va le commencer à peu près la 10e semaine après la plantation. Et après, il faut revenir toutes les 3 semaines. Soit pour voir les nouveaux œilletons qui sont sortis et voir dedans s'il y a le bon pour le sélectionner, oui. Soit parce qu'on l'a déjà sélectionné et qu'il faut enlever les nouveaux qui sont arrivés depuis. D'accord. 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 Mais là, nos rejets, ils sont tout petits. Mais si on arrive trop tard, alors ? Donc, si on arrive trop tard, ils vont être un peu plus grands. Ok. Et utiliser la machette, la gouge, comme on l'a dit, ça va abîmer un peu le pied mère. Ok. Donc, du coup, il y a une autre technique qui existe pour les supprimer. Et ça, mon collègue va vous expliquer la méthode de façon détaillée. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, tiens. Voilà ma machette. Ce rejet est un peu plus grand. Je vais chercher son bulbe. Je creuse d'abord comme ça pour pouvoir trouver son bulbe. Parce que à cette taille, si je ne le détruis pas, il va commencer à abîmer le pré-main et c'est pas bien. Donc, vous voyez comment le bulbe, le petit creux que ça commence à creuser là. Mm-hmm. Oui, ça c'est le bulbe. Et là, qu'est-ce que je fais? J'utilise ma machette. J'utilise ma machette pour le détruire. Pour me rassurer que j'ai détruit mon système apical, je sors une perpendiculaire. Là, j'ai détruit ce rejet. J'espère que vous avez bien compris. Oui. Là, c'est super clé maintenant. Cette technique est vraiment très importante pour augmenter notre production. Il faudrait que nous apprenions à la maîtriser. Si vous aussi vous voulez savoir faire l'œilletonnage précoce, n'hésitez surtout pas à aller voir le conseil agricole. Il vous montrera.
des 13 vidéos. Il y en a une qui est déjà sortie. Celle-ci est en ligne depuis quelques jours. Voilà, et il y en a donc une 11 qui suivent. Alors sur celle-ci, vous avez vu principalement des chercheurs du CIRAD parler. Sur la précédente, pour ceux qui ont vu le charançon, il n'y a que des chercheurs africains. En fait, c'est vraiment comme c'est arrivé, qui avait la compétence, etc. Alors maintenant, on va continuer la présentation des ressources. Il n'y en a plus pour très longtemps, mais il faut quand même qu'on aille voir les ressources associées et la façon dont on les diffuse. Donc, je passe la parole à Dénès. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter, toujours dans la présentation des ressources pédagogiques, je vais vous présenter la fiche producteur. Et comme le nom l'indique, la fiche producteur, c'est la fiche qui est destinée aux producteurs. Alors, il faut savoir que ce sont des fiches qui sont en lien avec les vidéos. Et chaque fiche retrace une thématique bien définie. Et ce sont des fiches qui sont des fiches illustrées, c'est-à-dire on a moins de tests, et beaucoup d'images, juste pour aider le producteur à mieux maîtriser les différentes pratiques qui sont développées dans les vidéos. Et ces fiches producteurs jouent en quelque sorte un rôle d'aide-mémoire ou de mémo. Et chaque fiche reprend en quelque sorte les différents messages qui sont développés dans les différentes vidéos. Ces fiches producteurs viennent en quelque sorte comme des compléments aux vidéos. C'est-à-dire, si je prends un producteur qui n'a pas Internet chez lui à la maison, qui n'a pas vu les vidéos, mais qui peut repartir avec une fiche producteur, c'est-à-dire une fiche papier, et il aura sur cette fiche-là toutes les informations qui sont développées dans les vidéos. Là, je vais vous présenter la fiche producteur de l'euthanage, dont la vidéo a été présentée tout à l'heure. Alors, sur la fiche producteur, la fiche producteur, c'est sous forme papier, et ce sont les papiers A4 qui sont pliés. On a d'abord une page de garde, et vous avez le titre de l'affiche. Et par exemple, ici, nous avons « Comment augmenter la production à travers l'éteignage précoce ». Alors, il faut savoir que chaque fiche producteur a un objectif pédagogique bien spécifique. Et l'objectif pédagogique de la fiche producteur est le même objectif pédagogique comme sur la vidéo. Alors, nous avons ici, je vais juste vous présenter les grandes lignes, ce que nous avons déjà vu dans les vidéos. Là, par exemple, nous avons la définition et l'importance de l'éteignage précoce. Vous avez la définition, vous avez les images qui vont avec. On a vu comment sélectionner un régé successeur. Et pour la sélection de ce régé successeur, on vous a dit qu'il y avait 3 critères. Et ces critères ont été bien définis dans les vidéos. Et donc, sur cette fiche, vous avez les 3 critères qui sont étayés ici. Alors, aussi, on a vu que la sélection et l'éteignage, de façon pratique, va dépendre du régé ou du matériel végétal de départ. Hein, par exemple, si on a un matériel végétal, soit par exemple un vivoplan, alors vous avez la technique détaillée en vert, et vous avez vu dans la vidéo M. Lescott qui présentait un peu le bananier qui avait été déraciné, ça c'était un matériel végétal qui était obtenu à partir d'un vitroplan, vous avez vu les différents régés qui étaient autour. Lorsqu'on a un régé, vous avez la technique qui va avec comment faire le donnage précoce. Alors, sur cette partie, nous avons des parties pratiques. Vous voyez tout à l'heure ce que vous avez vu dans la vidéo. Ici, sur le côté gauche, vous avez vu, nous avons des images. Et on reprend un peu les différentes étapes pour pouvoir réaliser le tonnage précoce. Là, c'est le cas où nous avons un matériel végétal comme des vitroplans ou des vivoplans. Et lorsque nous sommes dans un cas où le tonnage se fait de façon tardive, on a vu tout à l'heure dans la vidéo, là, vous avez l'opération qui est réalisée dans la vidéo où l'éteignage va se faire de façon tardive. Et on finit la fiche producteur avec une dernière page où on reprend un peu les partenaires qui sont intervenus dans les différentes vidéos. On a besoin également de l'avis des producteurs parce que c'est important. Parce que vous allez utiliser la fiche, vous allez regarder la vidéo et nous avons le site FABA où on a besoin d'un retour. Et ça, c'est important pour pouvoir améliorer la mallette pédagogique, et vous avez sur le site FABA où vous avez la mallette pédagogique des autres ressources qui ont été développées. Merci. Je vais laisser mon collègue qui va vous présenter la fiche pédagogique.
Merci. Excellences, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, honorables invités, je me réjouis de cet honneur qui m'est offert ce matin de pouvoir présenter officiellement la fiche pédagogique de l'une des ressources pédagogiques qui avait été donc élaborée par le projet FABA. On a choisi donc la fiche pédagogique numéro 7. Donc, en bref, cette fiche pédagogique est divisée, nous l'avons conçue, elle est divisée en quatre parties. C'est d'abord une fiche qui est destinée aux formateurs, aux animateurs, aux moniteurs et puis aux conseillers, ceux-là qui sont chargés soit d'accompagner les producteurs et les apprenants en les formant. Donc, la première partie, c'est généralement un chapeau que vous voyez là, qui porte le titre de la fiche et puis l'objectif pédagogique de cette fiche. En vert, c'est l'objectif pédagogique de la fiche sur comment augmenter sa production de plantains par le tonnage précoce. Et ici, l'objectif, c'est d'amener le conseiller, le formateur, le moniteur, ça, c'est un guide pour eux qui peut leur permettre d'amener les participants, que sont les producteurs ou bien les apprenants, à être capables d'augmenter la production par le tonnage. La deuxième partie de cette fiche, c'est les projections vidéo, comme vous venez de voir là. Pour faire cette projection, il y a des travaux qu'on fait, que le formateur, il prépare la présentation de la vidéo qui a eu la séance de formation avant. Il y a donc certaines dispositions qu'on recommande aux formateurs, aux conseillers de prendre avant le jour de projection de cette fiche. Maintenant, pendant la projection, qu'est-ce que le conseiller doit faire? On donne des orientations, des suggestions, ce n'est pas prescriptif. On suggère donc au conseiller qu'est-ce qu'il doit faire pendant la projection pour que les apprenants soient capables d'atteindre l'objectif visé. Maintenant, après la projection, on ouvre une séance d'échange. Et le rôle du formateur ici est beaucoup plus la facilitation. Ce n'est pas quelqu'un qui porte dans sa mallette des connaissances qui va faire le top-down. Donc, ça, il va jouer le rôle de facilitateur et permettre aux pairs de faire des échanges entre eux, c'est-à-dire après la projection, qu'il y ait des échanges entre soit les producteurs et les apprenants, et lui qui joue le rôle de facilitateur. Maintenant, après donc la projection, on va passer donc à la troisième étape. La troisième étape de cette fiche qui est en quelque sorte la phase d'exercice, la phase de pratique et de démonstration. Donc, ça peut se passer soit en salle, soit au champ. Vous avez vu au bas de... à ma gauche, en bas là-bas, il y a des petits logos. Ce qui est comme le balai là. C'est lorsque ça se passe au champ. Voilà ce que propose l'exercice, le matériel qui est nécessaire. Lorsque ça se passe en salle, vous voyez le symbole là, c'est pour dire que cet exercice il se passe en salle.
Et il y a un matériel que nous avons là qui est presque passe-partout quand on est au champ, la paire de bottes, les gants et la machette. Maintenant, en fonction de l'exercice, on peut ajouter d'autres matériels qu'on juge nécessaires pour compléter les trois là. À la fin des exercices pratiques, bon, aujourd'hui, nous allons... Ok, merci. Nous avons choisi, bon, cette fiche a deux exercices pratiques, à savoir comment faire la sélection du rejet successeur à travers les donnages que nous venons de voir là. Et ici, l'objectif, c'est qu'à la fin de cet exercice, que le producteur ou l'apprenant soit capable d'identifier les rejets à supprimer ou alors le rejet à laisser comme successeur. Et maintenant, comment cela se passe? Vous allez donc voir qu'ici, on recommande de réunir les producteurs ou bien les apprenants autour d'un bananier qui comporte des rejets de 20 cm de hauteur au maximum et des œilletons. Vous les avez tous vus quand la vidéo passait. Après, il va falloir illustrer les trois critères de choix du rejet successeur, à savoir l'orientation du successeur, le point d'ancrage du rejet et la présence de la bague. Comme matériel, vous voyez en haut là, il y a la gouge, il y a la pelle, je ne sais pas, le trident. En bas, c'est le matériel passe-partout que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire il faut toujours qu'il y ait ça, les bottes, la paire de gants, la machette ou le couteau. Et peut-être maintenant ici, on a suggéré aussi un petit bâton. Et comme astuce, le formateur ou l'animateur avant la séance devrait au préalable chercher à repérer dans la bananier le bon rejet successeur et garder avant qu'on ne descende sur le terrain. Ce n'est pas quand il amène les apprenants sur le champ qu'ils vont chercher. Il faut qu'ils identifient ça avant. Donc, et comme point de vigilance, le rejet le plus grand n'est souvent pas le meilleur. Un rejet plus petit et peu profond avec une bague poussera plus vite qu'un plus grand, mais profond et ou sans bague. Voilà donc l'exercice terminé et nous allons clôturer la fiche pédagogique par le dernier point, le dernier des quatre points, à savoir quand on a donc fait tout ça, il va falloir évaluer si l'objectif a été atteint. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie pour votre bienveillante attention. Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, distingués invités, bonjour. Nous allons nous arrêter un instant pour regarder le manuel technique de l'accompagnateur. Alors, le manuel technique de l'accompagnateur, ses objectifs. Ce manuel a pour objectif d'apporter des précisions sur l'ensemble des étapes de l'itinéraire technique. Il complète également par des outils de diagnostic et des aspects pratiques. Il fait référence à des ressources complémentaires déjà existantes sur la culture. Il permet également d'apporter les premiers éléments de contenu sur d'autres aspects de la filière hors production, notamment la commercialisation, la transformation et également quelques notions de gestion. À qui s'adresse le manuel? Je pense qu'au regard des présentations qui ont déjà été faites, on peut déjà avoir une idée de qui est la cible pour ce manuel-là. Il s'agit notamment des conseillers, des formateurs, des techniciens,
des producteurs initiés souhaitant se former à la culture du bananier plantain sans pesticides. Comment il s'utilise ? Il peut s'utiliser comme un support de formation, également comme un support ou un guide d'auto-formation. Le contenu du manuel. Les points traités dans le manuel sont en cohérence avec les éléments abordés dans les vidéos. On a vu une vidéo tout à l'heure. Dans les différentes fiches, on a vu la fiche, une fiche du producteur. On a vu une fiche du formateur. Le manuel permet d'apporter des compléments sur des aspects techniques, je le disais tantôt, des éléments pour diagnostiquer, les innovations en cours et également les expériences à partager. On a dans le manuel justement des témoignages des producteurs qui permettent justement d'agrémenter et de compléter les éléments techniques développés. On a également dans le manuel des rubriques « Aller plus loin » qui permettront de satisfaire les plus curieux avec des propositions de ressources complémentaires en ligne. Donc, en fait, le manuel balaie large. Comment il se présente concrètement ? 7 chapitres. Le premier est le site de production. On développe les éléments, comment choisir le site. Le deuxième chapitre porte sur les choix de variétés et du matériel végétal. Vous avez vu des éléments tout à l'heure sur les tonnages. Le troisième chapitre porte sur la mise en place, la plantation et l'irrigation. Le quatrième chapitre portera sur l'entretien de la bananeraie. Le cinquième sur la récolte, les opérations post-récolte. Et également, pour finir, le septième portera sur le compte d'exploitation, le pilotage, la gestion économique de l'exploitation. Et enfin, on aura une partie non moins négligeable qui est le glossaire qui permet justement d'expliquer tous les termes techniques qui ont été employés dans le manuel. Quel est le format du manuel? Le manuel sera un classeur où les différents éléments pourront être ajoutés au fur et à mesure. Sylvain, dans sa présentation tout à l'heure, autant pour moi, il disait que ce qui est dit dans les ressources pédagogiques, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais on sait qu'avec le temps, il y aura une évolution et on a pensé qu'on pouvait également faire évoluer le manuel au fur et à mesure. C'est ce qui explique ce format de classeur. Il sera en format papier, c'est-à-dire on aura un classeur physique, mais également numérique. Il sera également en ligne et il pourra être consultable à tous. Je vous remercie. Merci aux différents collègues qui ont présenté donc les différentes ressources. Il nous reste la dernière étape, c'est celle d'aujourd'hui, c'est la diffusion. Donc ces ressources, hein, on l'a déjà dit, on va le redire toute la journée et on va l'approfondir dans un atelier plus restreint demain. Donc elles ont vocation à vivre et c'est à vous de les faire vivre au sein de vos institutions. Alors ces ressources, elles sont disponibles sur le site FABA. Alors je vais juste vous le montrer rapidement. Et avant de le montrer, je vais juste dire que, par exemple, le Minader Cameroun a sur son site créé une page pour le projet FABA qui fait un relais vers le site que je vais vous montrer. Et du coup, les deux sites interagissent ensemble. Ça fait venir des gens sur les deux sites. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et ça permet ainsi, si chaque institution fait ça, de mettre en avant que chacune de vos institutions a participé. Hein, on pourrait très bien avoir une page FABA sur AFOP, sur ACFA, enfin sur DI, voilà. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que sur le site CIRAD, sur le réseau phare. Et l'idée, c'est vraiment de partager avec le plus de monde possible. Alors, je vous montre juste très rapidement, si ça veut bien marcher Internet ici, que vous ayez vu une fois ce qu'est le site.
va s'ouvrir. Voilà, donc le site FABA, c'est, je ne vais pas le détailler, hein, ça serait trop long. Ce qui est important, vous avez différents onglets, accueil, projet FABA, partenaire, qui retrouvent un peu, où vous allez retrouver les éléments que j'ai partagés tout au long de la présentation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un onglet ressources pédagogiques. Et chaque mois, vous verrez une nouvelle ligne s'incrémenter. Pour l'instant, vous voyez les deux thématiques qui ont été publiées. Donc si je change un peu, je vais sur la première qui a été publiée. Vous avez du coup un descriptif de la thématique et vous allez pouvoir accéder donc à la vidéo qui est elle-même hébergée sur YouTube, sur la chaîne FABA YouTube. Bon, Internet n'est pas très très rapide, mais... Et vous allez trouver les deux fiches, la fiche producteur et la fiche pédagogique qui vous ont été présentées tout à l'heure. Et puis, quand on aura diffusé toutes les thématiques, vous trouverez le manuel que vient de vous présenter Esther. Voilà, bon, ça ne veut pas s'afficher, on ne va pas prendre plus de temps. Vous savez tous vous servir d'un site internet. Ah si, voilà, c'est là. Bon, là, il y a la vidéo qui va apparaître. Et ici, vous voyez, vous trouvez l'accès vers les deux. Thank you very much for the wonderful presentation. We have come to the end of the first phase of this workshop. And before we conclude, we are going to have a group photograph, and that will be done at the sea pool, beside the sea pool. That's downstairs. So all the concerns, all the participants are going to move out before the minister will follow. Thank you very much, and deliberations will continue after the break. Bien, Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, après avoir pris connaissance des différentes ressources pédagogiques, l'équipe FABA, Cameroun et Côte d'Ivoire, vous a réservé, au vu de la force et de l'intérêt que vous portez à la banane plantain depuis que vous êtes dans ce ministère, ils vous ont donné le titre de lion indomptable de la banane plantain. Et ce cadeau vous sera remis par le coordonnateur du projet FABA. Bien, nous pouvons donc prendre la pause à la suite de Monsieur le ministre Lion Indomptable, la banane plantain. La photo officielle d'abord, la photo de famille, non, on va la faire ici. Ah, d'accord, ok, le protocole me fait savoir qu'on fera la photo de famille au bord de la piscine. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue une fois de plus à l'atelier de présentation officielle des ressources pédagogiques du projet FABA. Nous allons passer à la deuxième phase de notre atelier, qui comprend deux grandes articulations. La première, c'est un ensemble de quatre témoignages à la suite du test de ces ressources pédagogiques qui a eu lieu au Cameroun.
Et vers la fin de la deuxième articulation et la dernière seront quelques réactions et pistes de valorisation. Donc, sans plus attendre, je vais appeler Madame le délégué régional de l'agriculture et du développement rural du Sud, Madame Gisèle Minceau, qui a supervisé le test d'essai ressources pédagogiques dans la région du Sud, à nous rendre son témoignage. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme on vous a dit, je m'appelle Belinga Gisèle Simone, épouse Missot, déléguée régionale de l'agriculture et développement rural pour la région du Sud. Bon, comme témoignage, j'avais été invitée pour ouvrir, pour présider l'atelier portant sur le bananier plantain sans pesticides. Ça concernait d'abord les apprenants à l'État. J'ai ouvert, je n'avais pas le temps matériel, je suis partie. Quelques temps après, je crois 3 semaines après, on m'invite encore pour aller ouvrir l'atelier concernant le bananier plantain sans pesticides. À ce moment-là, ça concernait les producteurs. Je me suis dit, on dit bananier plantain sans charançon. Vous voyez que le terme est d'abord attirant. Et je me suis dit, je voudrais suivre ça du bout en bout pour mieux comprendre de quoi il est même question. Je suis allée, j'ai présidé, les cérémonies officielles sont passées. Je suis restée. J'ai visionné le CD et j'ai trouvé ça intéressant. Où on démontrait comment on peut lutter contre les charançons, les méthodes de lutte. Et moi, ça m'a vraiment édifié. Mais pourquoi j'étais restée dans la salle? Étant donné que je suis déléguée régionale, mon rôle d'encadreur de producteur m'oblige parfois à suivre ce genre d'atelier pour mieux apprécier, pour mieux édifier mes collaborateurs et les producteurs, puisque tous les jours, les producteurs sont devant moi pour poser un certain nombre de questions. Et quand il y a l'innovation, l'outil qu'on nous m'a donné me permettait donc de bien comprendre. Parce que si je ne comprends pas mieux moi-même, je ne pourrais pas expliquer aux autres. Et cette vidéo nous permettra à mes collaborateurs de mieux vulgariser, de mieux édifier les producteurs. Je l'ai même déjà fait en demandant à nos collaborateurs de s'inspirer de cette vidéo. Parce que vous savez que voir, faire, c'est plus facile. On retient vite en voyant les images que la littérature qu'on nous donne tous les jours. Donc, cette approche andragogique, je trouve ça efficace et efficiente. Donc, je trouve ça bien pour nous les encadreurs, pour que on puisse vulgariser facilement. Donc, il est donc question pour nous, je prends à témoin mon collègue délégué, que cet outil nous sera très utile. Et il est même question qu'on ne doit pas seulement s'arrêter au niveau du bananier plantain. Il serait aussi souhaitable qu'on voit ça avec les autres filières. Parce que, par exemple, on a souvent des problèmes au niveau de la mangue, au niveau de la tomate, au niveau du gombo. Si on trouve des méthodes pour nous aider à augmenter la productivité, quand on parle de productivité, c'est la production. Par exemple, le Sud, c'est un bassin de production où on mange beaucoup le bananier plantain, on mange beaucoup le plantain. Vous savez que le Sud, c'est le Ntoba. Mais par contre, on trouve le plantain cher au marché. J'ai dit que cet outil me permettra de multiplier les régimes de plantain pour que les populations du Sud aient le plantain moins cher et qu'on ait le Ntoba sur toutes nos tables. Merci de votre aimable attention. Merci, Madame la déléguée régionale. La mallette pédagogique FABA
outil pour rendre disponible le plantain et augmenter, rendre disponible le plantain pour les régions du sud et pour la consommation accrue d'un tout bas. OK. Bien, on va écouter actuellement un formateur du projet de développement des cultures fruitières qui a organisé un atelier test de la vidéo charançon. Je vais appeler ici, sous vos ovations, Luc Raoul Nko-Angwa. Merci, M. le Coordinateur, de m'avoir passé la parole. Bonjour à tout le monde. Oui. On m'appelle Nko-Angwa Luc Raoul, je suis le coordinateur régional du projet de développement des cultures fruitières pour le Sud. Je vais faire le témoignage ici, suite à la formation que j'ai reçue en tant que formateur des producteurs au sein du groupe FABA pour accompagner la production de la banane plantain sur le terrain. Déjà, une fois la formation des formateurs achevée à Yaoundé, il était question pour nous de passer sur le terrain pour maintenant mettre en pratique les outils que le projet FABA nous a donc fournis, que comporte la mallette pédagogique. Cette formation était articulée sur le grand 10, le grand 10 qui parle de la lutte contre les charançons sans toutefois utiliser les pesticides. Déjà, il a noté ici là que j'ai été d'abord comme un apprenant qui partait apprendre la formation pour devenir formateur. Et une fois qu'on m'a attribué cette responsabilité d'aller former, il fallait maintenant aussi se mettre dans la peau du formateur. Dans un premier temps, j'ai organisé d'abord la formation. Cette organisation m'a pris pratiquement une semaine. Il fallait d'abord identifier au moins une parcelle qui avait déjà pratiquement... qui était déjà en production. Parce qu'il faut noter qu'une parcelle qui n'est pas encore en production, on ne peut pas vraiment observer la présence des charançons. Donc, une parcelle qui est en production, on observe véritablement la présence des charançons. Une fois la parcelle identifiée, j'ai eu parmi mes apprenants, donc les producteurs sélectionnés, on a fabriqué ensemble des pièges en charançons qu'on a d'abord placés dans la parcelle au moins une semaine avant la formation. Bon, une fois, deux jours avant, il fallait aussi travailler sur les commodités liées à la salle et tout ce que ça comporte comme logistique pour pouvoir bien dérouler la formation, à savoir un ordinateur portable, un vidéoprojecteur, une salle avec aussi de l'énergie. Une fois ces commodités mises en place, il est donc question d'organiser la formation. Bon, pendant la formation, parlant vraiment de ce grand, le grand 10, qui parle de la lutte pour combattre les charançons sans utiliser les pesticides, on avait à notre dispositif une vidéo qui parlait vraiment de tout le cycle des charançons. Et à côté de la vidéo, on avait aussi à notre disposition une fiche producteur et une fiche formateur. La fiche producteur qui était remise aux différents producteurs était destinée pour qu'ils prennent acte de ce qui doit être effectué comme travail. Et je me suis aussi outillé, comme on dit que l'homme n'est rien sans son bord, de ma fiche producteur. Bon, une fois, au moment où la formation a commencé, après tout ce qu'on maîtrise comme présentation, photo de famille, tout, on a donc commencé à faire des projections vidéo. Dans un premier temps, avant même de lancer la projection, il était d'abord question pour nous de susciter d'abord un climat d'ambiance. C'est-à-dire, je dis du n'importe quoi, je pose une question. Qui a déjà entendu parler du charançon? C'était une façon pour nous
déjà d'amener les uns et les autres à se familiariser, à pouvoir changer. Pourquoi? Parce que on se rend souvent compte que les producteurs maîtrisent beaucoup, mais parfois ils n'ont pas la bonne manière de communiquer ou bien de pouvoir aussi développer ça en eux-mêmes. Donc, j'ai d'abord eu à créer ce climat d'ambiance et il y a eu beaucoup qui ont commencé à chuchoter entre eux, à beaucoup échanger. Et une fois que j'ai lancé la vidéo, il y avait vraiment un silence et entre eux, je voyais comment d'autres disaient, n'est-ce pas, je t'ai dit, ils m'ont le droit, ils font ci, ils font ça. Après, je leur ai dit, bon, attendez, on va arriver à ce niveau-là. Bon, une fois la première projection achevée, on a repassé une deuxième fois avec ce qu'on appelait arrêt sur image. Et cette étape était vraiment très primordiale. Pourquoi? Parce que il en revenait au producteur de décider de quelle étape est-ce qu'on devrait normalement faire l'arrêt image. Et une fois que l'arrêt image achevé, sans d'abord regarder soit la fiche, je leur ai demandé, je leur posais toujours la question, comment est-ce qu'on peut intituler cette étape-ci? Et à ce niveau, beaucoup de choses ressortaient par rapport à leur vécu et tout et tout. On parvenait toujours à trouver un terrain d'entente. Et à la fin, ça a vraiment permis à ce que les expériences et tout ce dont la mallette aussi avait prévu comme formation était vraiment synchronisé. Et à la fin, il y a eu les questions, les réponses. Beaucoup ont aussi fait le témoignage de leur vécu et de ce qu'ils subissent dans les champs comme difficulté. Donc, aujourd'hui, je témoigne parce que quand j'essaie un peu de me regarder au niveau de ma situation initiale, c'est-à-dire quand j'arrive nouvellement au projet, je ne maîtrise pas encore ce que le bananier. J'ai appris le bananier au niveau des généralités. Bon, une fois le projet FABA arrivé, avec toutes les petites connaissances que j'avais déjà à mon endroit, au niveau de la conduite en champ surtout, je me suis donc rendu compte que nous avons encore beaucoup à apprendre, beaucoup à chercher, parce que je ne connaissais pas que ce n'est pas le charançon qui cause les dégâts dans le bananier. Je croyais que c'était le charançon qui vient, il croque, après il se met à marcher et ressortir. Bon, à travers d'abord la formation que j'ai eu à subir, j'ai compris que c'était les larves que le charançon vient déposer, et ce sont ces larves qui produisent donc les dégâts qu'on retrouve sur le bananier. Et à ce niveau, ça a été vraiment quelque chose du nouveau, même aux différents producteurs qui étaient en train de suivre la formation. Donc, je vais dire un grand merci au projet FABA, aussi un grand merci à tous mes producteurs que je vois en salle, qui sont toujours là chaque jour pour m'écouter, chaque fois que je fais toujours une descente dans leur plantation. Et on compte beaucoup sur le projet pour nous améliorer davantage et que ensemble nous puissions promouvoir la production de la banane plantain. Merci. Merci Raoul, grand formateur actuel utilisant efficacement la mallette pédagogique FABA. Le prochain, je voulais dire la prochaine, c'est une jeune apprenante de l'école technique d'agriculture de Bolova qui va nous faire son témoignage de ce qu'elle a vécu comme apprenante à la suite de ce test en utilisant la vidéo charançon. Sous vos ovations, s'il vous plaît, mademoiselle Marie-Claire Nkebeina. Merci, monsieur, de m'avoir passé la parole. Moi, c'est l'étudiante Nkebeina Marie-Claire à l'école technique d'agriculture de Bolova. Parlant de
l'atelier que nous avons eu, parlant de l'atelier que nous avons eu à l'école, bon, moi j'ai eu assisté à la pratique. Nous avons posé des pièges pour attraper des charançons. Nous avons d'abord cherché un plantain qui est affecté par ces charançons. Donc nous sommes passés par le décortiquage. On a décortiqué la bulbe du bananier, du pied du bananier, pour voir. Bon, on a observé les taches noires sur le pied, sur la bulbe du bananier, ce qui prouve que les charançons sont vraiment passés parce qu'ils ont laissé un tunnel. Donc nous avons vu des petites taches noires et ils ont laissé un tunnel dans leur passage. Ensuite, nous avons posé un piège. Donc nous avons coupé, nous avons pris un cron déjà au sol. Nous avons coupé du moins 40 cm. Nous avons fendu, nous avons nettoyé le pied, les alentours du pied, du plantain. Nous avons posé nos pièges. Nous sommes revenus 9 jours plus tard, environ 9 à 8 jours plus tard. Nous avons recouvré des charançons, effectivement, qui ont été piégés par ce piège que nous avons établi. Merci. Merci, merci Marie-Claire. La mallette Faba, c'est aussi la pratique. Et ce témoignage nous le prouve à suffisance. Merci. Nous allons maintenant appeler encore une autre productrice, une grande productrice de bananes plantains, qui vient d'une ville non loin d'ici, non loin d'Akunolinga, qui s'appelle Ngala et qui abrite un centre avec beaucoup de dames. Je vais vous demander d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements Pauline Jeanne Akanjop, qui va nous faire son témoignage. Madame, demoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Akanjop Pauline Jeanne, productrice de Ngala vers Akunolinga Centre. Je me présente maintenant pour vous donner la présence du charançon dans une plantation. Parce que autant je faisais les plantations pour faire bananier plantain, je n'avais pas les idées de connaître comment produire le bananier plantain. J'étais assise chez moi. J'entends un grand matin, la monitrice arrive. Madame, il y a une formation Faba Ngala. J'ai dit merci. J'ai pris la moto, je suis donc arrivée. On a trouvé notre coordinateur, malgré qu'il n'est pas là. Il nous a posé les questions. Madame, vous êtes là pourquoi? J'ai dit que j'ai su qu'il y a formation Ngala, bananier plantain. La première des choses, moi je me suis présentée parce que je ne connaissais rien. Madame, vous produisez comment? J'ai dit, dans ma plantation, je mets le taro, je mets le manioc, je mets l'igname et tout qu'on doit mettre. Le coordinateur m'a dit, est-ce que vous trouvez ça normal, chance ou bien malchance? J'ai dit malchance. J'ai dit malchance parce que je ne connaissais quoi faire. On m'a donc dit que madame maintenant Faba est en formation. Pour le moment, vous n'allez plus mettre quoi que ce soit sur votre parcelle. Faba est là pour le plantain, pour la banane plantain. La formation par vidéo, on nous a dit les difficultés du plantain bananier, le charançon. Ce qui dérange bananier plantain. La présence, on nous a d'abord montré la présence du charançon dans un
champ de bananier plantain. Le charançon est là pour les dégâts du champ. Parce qu'on voit la parcelle du bananier par les dérasages, parfois un plantain déraciné ou bien étant debout. Pour moi, autant, je ne connaissais pas. Je me disais que c'est le vent qui renversait les plantains. Parfois, l'ignorance de bien creuser le trou pour planter, ou le décorticage, ou bien le découpage. Mais au jour d'aujourd'hui, Fab m'a appris comment le charançon fait les dégâts dans une plantation. Les dégâts du charançon se passent. Le charançon peut mettre 300 œufs dans un pied de plantain. Pour ces 300 œufs, et en mettant les 300 œufs, la larve entre pour faire les dégâts et ronger les galeries du pied. Maintenant, pour une parcelle, comme on nous a appris, que pour lutter contre les charançons, il faut d'abord choisir une parcelle vierge et éloigner la plantation des charançons à une autre parcelle vierge. Au jour d'aujourd'hui, et je me disais, en creusant les rejets, parce que je creusais autant, je creusais les rejets pour creuser. Même s'il y a eu les galeries, je prenais ces rejets et remettre au sol, sans savoir que les rejets qui ont des galeries sont des rejets qui doivent être rejetés et recreuser les rejets qui n'ont pas de galeries, mettre au sol. Et je Faba m'a encore formé qu'en coupant, en récoltant les plantains, le tronc d'arbre qu'on jetait au jour d'aujourd'hui devient riche. Parce que pour piéger les charançons, je dois prendre le tronc d'arbre récolté pour découper et fendre à deux et nettoyer le pied de mon plantain et piéger les charançons. 10 jours après les pièges, je dois visiter mes pièges et prendre les charançons, mettre dans ma boîte pour brûler. Faba, je remercie Faba aujourd'hui parce que Faba m'a mis la sagesse dans la tête. Donc, messieurs, mesdames, je vous remercie parce que Faba est là pour mettre la sagesse dans ma tête. Merci. Est-ce que vous voulez applaudir une deuxième fois pour elle? Ok, merci Pauline Diane, la voix de la sagesse, la voix de Faba, la voix de la productrice de plantain. On a ressenti toute la force de toutes les productrices d'Ngala en une seule personne, et merci aussi à sa monitrice qui est juste à côté de l'homme bleu. Merci. On comprend que les outils Faba s'adressent à peut être capitalisés par tous les auditoires de tout
que ce soit des petites productrices, que ce soit des grandes productrices, que ce soit des mamans, que ce soit des jeunes étudiantes, que ce soit des officiels, que ce soit des institutionnels, que ce soit des grands formateurs. Les outils FABA ont, dans la phase de test, retenti, et aujourd'hui, nous avons eu la quintessence de ces retours. Je vous demande d'applaudir encore pour tous les quatre qui sont passés tout à l'heure. Ok, on va donc ouvrir la parole pendant une dizaine de minutes à qui veut la prendre en réaction à tout ce qui a été présenté aujourd'hui depuis la phase officielle, la présentation du projet FABA, les outils présentés, les tests organisés et restitués par les officiels, les formateurs, les producteurs et les étudiants. Donc, la parole à qui veut la prendre, une brève présentation par votre nom, votre structure, et puis soit une observation, une question ou un commentaire. OK. Bonjour. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Simon Bassanaga. Je suis producteur de cacao et agronome de formation. Vraiment, merci de m'avoir convié à cette réunion. Vous allez vous poser la question, pourquoi un producteur de cacao se retrouve dans le bananier plantain? La question est valable, mais peut-être n'est pas fondée. À la suite de ce que la déléguée régionale du Sud a dit, et c'était un peu mon histoire, parce que quand je reçois l'invitation, ce qui me marque en premier, c'est le titre. On dit production de bananiers plantains sans pesticides. Et vous voyez, pour un producteur de cacao que je suis, c'est le challenge que nous avons. Comment est-ce que nous pouvons produire le cacao sans pesticides? Et par curiosité, je vais même vous surprendre agréablement. Je suis convié à l'OAPI ce matin à une réunion sur l'indication géographique du cacao rouge du Cameroun, qui va passer en indication géographique. Mais j'ai pesé les deux, j'ai dit par curiosité, comme elle a dit, je viens aussi écouter comment on peut faire une production agricole aujourd'hui sans pesticides. Alors j'ai été très, très, très ému, extrêmement ému, pour deux raisons. Vous voyez, le bananier plantain intéresse tout producteur de cacaoyer. Tout producteur de cacaoyer doit faire du bananier plantain. Pour deux raisons. Le bananier plantain a un rôle économique et un rôle agronomique. Et moi, mon souci était lequel? Et c'est pour ça que j'ai été très impressionné. Vous voyez, expert du cacaoyer que je suis, je continue d'apprendre. Et je viens d'apprendre quelque chose d'extrêmement important. Et je vais, dès lundi, je vais élire domicile au bureau du coordonnateur bananier plantain. Parce que je suis membre, je suis président de la commission de recherche, de développement durable et d'innovation dans la grande fêtière du producteur de cacao au Cameroun, l'ANPCC, qui couvre les 8 régions et tous les bassins de production. Et nous avions un souci, comment aider nos producteurs déjà un arrondi les fins d'année avec le bananier plantain quand le cacao est fini. Deux, comment les aider à faire le peinage, à faire la sélection des plants. Et vous voyez, moi aujourd'hui, c'est aujourd'hui, après tout ce que j'ai appris en faculté d'agronomie, et notamment la fausse décapitation qui amenait la prolifération de tous ces étons-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas quel est le critère de sélection d'un bon pied. Un peu comme la dame qui a été très ovationnée l'a dit, nous-mêmes, on essaie d'enlever un rejeton pour nous qui était égal à un autre. On savait que s'il est jeune, il est plus bon. Mais c'est aujourd'hui que j'ai connu l'importance de la bague. C'est aujourd'hui que moi, je la comprends. Donc vraiment, c'est un peu un plaidoyer. Nous sommes en train de mettre les unités de démonstration des bonnes pratiques agricoles sur
les vieux vergers cacaoyers. Donc voilà une innovation que nous allons, avec le parc cacao, apporter à ces unités. Mais plus largement encore, je parle sous le contrôle du président national qui est devant moi. Il faudrait qu'on voit comment l'ANPCC pourra signer une convention avec le projet, avec la FABA, parce que nous avons 8 régions. À ce jour, nous sommes à 527 coopératives adhérentes. Donc, vous imaginez le besoin. Et nous avons une commission de formation qui va se rapprocher de vous pour que tous les producteurs de cacao de l'ANPCC, cacao et café, puissent maîtriser cette approche et on estime que ça pourra les aider à réduire la pauvreté. Je vous remercie. Bonjour, je suis M. Nkoua Lima, directeur de l'Institut supérieur d'agriculture et de gestion de Bala. Donc, j'interviens en tant que formateur parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui est très pertinent, très novateur. Et nous qui avons des écoles de formation, nous sommes intéressés parce que l'approche de formation que vous avez, oui, elle est ce que nous cherchons. Même le contenu de la formation est ce que nous cherchons. J'ai cru voir que les ressources que vous donnez sont en accès libre, mais je veux m'assurer que dans mon école, je peux connecter mes professeurs à votre site, exploiter tous les documents que vous avez sans besoin. Je vais être sûr que je peux le faire, parce que vraiment, si vous le laissez, je voudrais dire merci, un grand merci à toute la jeunesse camerounaise qui va se mettre à la pointe. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Madame Ndamoyo, je viens de Saint-Milima. Alors, moi, j'ai des questions autres dans le genre de quoi a peur le charançon. Est-ce qu'on ne peut pas le prévenir au lieu de le piéger? Parce que si on a un champ qui a peut-être 2500 pieds à l'hectare, comment on va aller pied par pied pour piéger? Et si c'est une nouvelle plantation, on va prendre ces troncs où? Ça, c'est ma première question. Et pour intensifier la production, comment dire, pour étendre la production, est-ce qu'il n'y a pas un autre dispositif que celui habituel pour augmenter le nombre de pieds à l'hectare? J'ai fait des petites recherches personnelles dessus. J'aimerais les partager un jour, mais il faut que je fasse des expériences. Et pour ce, je pense aussi qu'il faut absolument aider la nature parce que les saisons sont instables. Il faut associer de l'irrigation à la culture de plantain, parce que sans irrigation, on ne peut pas vraiment atteindre l'objectif. Étant donné que le sol est instable, il y a des endroits qui retiennent de l'eau, d'autres pas. On ne peut pas avoir des régimes qui se ressemblent partout dans le champ et faire une récolte en même temps, parce qu'ils vont grandir différemment. En saison sèche, ils se mettent en une sorte d'irrigation pour attendre. Ils vivent d'une manière serrée et attendent ceux de redéployer, donc ils prennent du retard. Bon, donc, et quels sont les moyens pour prévenir? On parle de la culture bio. Jusque-là, je n'ai pas entendu des propositions pour le bio, là. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens naturels pour dire qu'on va lutter contre les pesticides, contre ceci, contre cela? Comme on sait qu'au village, on peut utiliser de la cendre ou du tabac, ou comment engraisser naturellement les choses sans passer par de la chimie. Moi, j'ai suivi depuis le début, là, je n'ai pas encore vraiment vu des propositions allant dans ce sens. Et plein d'autres choses. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de monde.
Merci. Merci. Je m'appelle Jean-Marie Sop. Je suis d'abord le secrétaire général du Cola ACP. Donc c'est véritablement à ce titre aussi que j'étais là. Parce que vous savez très bien, le CIRAD et le Cola ACP entretiennent de très bonnes relations. Mais ici, je vais surtout parler de Horticam, qui est le réseau des horticulteurs de filières horticoles du Cameroun. Nous sommes à plusieurs points intéressés par ce travail que vous avez mené. Et je ne vais pas, puisqu'on a déjà beaucoup bavardé, ne pas revenir sur tous les autres commentaires qui étaient fortement intéressants, mais je veux tout simplement émettre un vœu. Le travail est tellement intéressant pour cette filière qu'au niveau de Horticam, nous souhaiterons également émettre notre vœu de voir ce travail se porter vers d'autres filières horticoles qui sont aujourd'hui des filières qui sont très porteurs au Cameroun. La banane plantain, déjà, ça n'a pas d'égal, mais on a également l'ananas qui apporte beaucoup de valeur ajoutée au niveau des producteurs. Et on a d'autres fruits comme la mangue aussi au Cameroun qui a véritablement besoin de tels outils pour pouvoir se développer. J'aimais ça. J'espère que ça ne va pas tomber dans les oreilles des sourds. Merci. Ok, alors juste, alors je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, hein. Je vais donner quelques éléments et après on continuera les questions, simplement pour pas que vous ayez l'impression de parler tout seul. D'ailleurs, je précise que je peux répondre, mais les autres collègues experts de la formation de la culture peuvent aussi répondre, hein, il n'y a pas que moi. Alors d'abord, je vais faire une chose. Ah non, je la ferai tout à l'heure. Je la ferai en dernier. Qu'est-ce que je peux répondre ? Alors oui, les ressources sont libres. Ça, je le dis et je le redis. Les ressources sont gratuites. Donc le site que vous avez vu ce matin, le site faba.fr, là, vous pouvez accéder au site. Vous avez tous eu un marque-page ou une clé. Alors sur la clé, vous avez une vidéo, une fiche pédagogique et une fiche producteur. C'est pour vous donner un exemple de ce que c'est. Sur chacune des ressources, vous avez le site ou le QR code, le carré, qui permet d'aller sur le site. Et là, vous pouvez regarder, télécharger toutes les ressources. Ça veut dire que vous avez posé la question... Alors, non, c'est pas vous, mais vous avez posé la question là-bas, pardon, oui. Oui, vous pouvez les utiliser dans votre école, vous pouvez les télécharger pour les utiliser, vous pouvez les regarder tant de fois que vous voulez sur la chaîne YouTube, il n'y a aucun problème, c'est le but. Vraiment, c'est le but. Après, je pense que il y a des gens de la formation ici, vous êtes à côté de monsieur du Farcam. Voilà. Je pense qu'il y a besoin d'un accompagnement, je pense que... Voilà. Mais oui, bien sûr, tous ceux qui veulent regarder, tous ceux qui veulent prendre, qui ont la chance, par exemple, d'habiter en ville, d'avoir du réseau, ils peuvent télécharger, aller au village, montrer leurs amis producteurs, leurs frères producteurs, etc. C'est le but, c'est vraiment ce qu'on a voulu avec ce projet, c'est partager l'état de la connaissance. Voilà, donc ça, n'ayez pas de doute là-dessus, c'est vraiment l'objectif. Et je suis ravi que vous manifestiez autant d'envie de l'utiliser. J'ai entendu une question sur le sans pesticides, madame, là-bas. En fait, vous avez vu, le projet essaye de promouvoir comment on fait pour faire de la banane plantain sans pesticides. Par exemple, dans le grain charançon qui a été diffusé, que vous avez peut-être vu, bah en fait, on montre qu'on peut faire des pièges et qu'on ne met pas des insecticides. C'est ce genre de pratique qui existe, qu'on va essayer de diffuser dans les vidéos qui vont sortir. Donc c'est quand même une réponse. Et les photos que vous avez vues, la belle parcelle que je vous ai montrée ce matin, dans laquelle on avait l'impression d'avancer, c'est une parcelle qui a été faite sans pesticides, je vous le garantis. Voilà, c'est possible. Après, ce n'est pas si facile. Par exemple, désherber sans pesticides, ça veut dire désherber à la main. C'est long, ça coûte cher, moi, je ne saurais pas faire. Enfin, voilà, on est d'accord avec ça. Mais n'empêche qu'il y a des solutions aujourd'hui. Pour remplacer un herbicide, on peut désherber à la main, on peut mettre une plante, on peut mettre l'arachide, on peut mettre l'igname, on peut mettre un certain nombre de cultures, l'ananas, qui vont permettre de produire. Et quand on va les entretenir, ben on n'aura pas mis un herbicide.
le charançon, le piège, ça marche pas à 100%, mais ça marche déjà. Donc ça permet déjà d'éviter. De toute façon, si vous mettez un insecticide, vous allez mettre, ça vous coûte cher. L'insecticide, la population de charançon monte, l'insecticide la casse un peu. Ensuite, la population remonte. C'est ça que vous faites. Vous donnez l'argent aux vendeurs de phytosanitaires, c'est tout. Le bananier va finir par tomber. Donc il vaut mieux essayer de gérer avec des pièges, même si c'est un peu de travail, c'est déjà une solution. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des solutions qui existent aujourd'hui, la recherche est en train de chercher. Quand vous regardez la vidéo, on vous dit aussi qu'on cherche des variétés. Peut-être dans les variétés de plantains. Au Cameroun, c'est le pays où il y a probablement le plus de variétés différentes de bananiers plantains. Il y a au moins 100 à 130 variétés différentes. Il y a des hypothèses. On pense que peut-être les variétés anthocyanes, celles qui sont un peu rouges, elles sont peut-être plus tolérantes aux nématodes et aux charançons que les autres. Ça n'a jamais été bien vérifié. Peut-être vous, dans vos parcelles, vous pouvez voir. On pense aussi qu'il y a certaines variétés qui supportent mieux la sécheresse. Tout ça, c'est vous aussi, les producteurs qui savaient, qui avaient l'habitude, qui pouvaient voir et qui pouvaient faire remonter. Et après, le travail de la recherche, c'est d'aller dire, bah, OK, il y a des producteurs qui disent que, je ne sais pas, la variété Mburuku 3, eh ben, elle est plus intéressante que Big et Banga. Je dis ça, ça fait rire ma collègue, mais c'est parce que j'aime bien cette variété en vrai. Et peut-être on va tester vraiment en station pour le prouver. Et peut-être ce sera vrai et du coup on va promouvoir quelque chose de nouveau. C'est ensemble qu'on va faire ce travail. Il y a des plantes qui peuvent arrêter les charançons. Quand vous mettez une autre culture ou quand vous laissez de l'herbe au pied des bananiers, ça héberge d'autres insectes. Ces insectes mangent le charançon ou les larves de charançon. Voilà, il faut trouver quelle est la meilleure plante qui va être là. On ne sait pas encore, mais ça on peut le faire ensemble. Voilà, donc on essaye quand même dans le projet de promouvoir au maximum des solutions sans pesticides. Je pense qu'on peut continuer quelques questions. Et puis... Ok, je voulais juste faire remarquer que dans la vidéo qui a été projetée, Monsieur Jean-Marie Sop, qui s'est présenté sous la casquette de Colléa CP et Roticam, est aussi un grand producteur de bananes plantains. Et une partie de cette vidéo a été tournée dans sa plantation. Merci. Thank you very much for giving me this opportunity to contribute in this fiber project. In fact, I'm the national president of cocoa and coffee producers in Cameroon, and from observation, there are approximately 600,000 producers of cocoa coffee in Cameroon. In fact, it doubts my imagination that 600,000 farmers in Cameroon in that sector are producing crops that they don't consume. I don't know what has attracted producers so much that they don't want to diversify so that they can produce crops that they can determine the price and consume in the family. Today, we are calling ourselves slave, we are doing slavery in the cocoa business because we produce and we don't consume. But if we can get into banana plantains project, many cocoa coffee producers are going to diversify and we are going to complement their income, their family incomes. I am praying that from the beginning, in fact, I fall in love in this project, and why not my own co-producers also, so that at least we can at least change from one aspect where we can determine the price of banana and plantains, and why not determine the price of the crop that we produce. I think this will go a long way to ameliorate the economy of producers of cocoa and coffee in Cameroon. We have produced cocoa and coffee in Cameroon since 1950s. And we have scarcely consumed the cocoa. The people who have benefited all from the cocoa, they have become so healthy and we have become so lanky. And in fact, they are growing fatter while we are growing thinner. So we think that with a lot of sensitization, with a lot of training, immediately the 600,000 cocoa farmers
are going to embrace this project. And in fact, you get banana plantains, these projects, embraced, and there will be huge quantity in the production. So I am praying that all the regions of this country where we can produce this banana and plantains to be well sensitized and education given to them. Even myself, I've already embraced it here. If you can give me a sucker of banana, I'll plant it outside here. Thank you very much. Merci. Je suis M. Makongo Emmanuel Raymond, producteur de plantains à la base, mais surtout président-directeur général d'une société qui fait dans la production et la commercialisation du plantain en fruits et du poivre de Pindja. Mais je vais insister beaucoup plus sur le plantain. Qu'est-ce qui m'a intéressé, c'est le tonnage. Nous pratiquons le tonnage tel que j'ai vu sur la projection à un seul fils successeur. Mais nous avons vu que notre chiffre d'affaires n'augmente pas. Nous voulons passer, enfin, nous sommes en train de passer à un tonnage à deux fils successeurs pour pouvoir accroître la production. Alors, qu'est-ce que FABA nous donne comme conseil? Est-ce que c'est possible? Est-ce que nous pouvons réussir? Ou alors, quels sont les inconvénients? Merci. I'm Oscar Banjokwan from Southwest Limbe, precisely, involved in the production of plantain. I have some few remarks to make. First of all, I would like, I think it would be interesting for us to know practices that can be done in large scale. For example, because I think the objective, if we want to attain the objective of producing plantain, we need to look at it large scale production, not like the production behind the house. For example, I have a 20 hectare farm. How do I manage it sustainably? First of all. Secondly, there is the black weevil. It's a serious pest, but there is also one which is very serious, nematode, because nematode causes more damage than the black weevil. You have your plantain standing, and it's the roots are completely eaten up by nematode. So how do we also try to manage nematode? It's also very important. Thirdly, for us to assure and to be sure of our productivity, there's also what we need to call, we need to educate the farmers on accountability of their farm. For example, you have a farm, a plantation, many people just say, oh, j'ai une plantation, I can produce 100, 200. How are you sure you can produce 100 and at what frequency? There's also, this brings also the aspect of flower count, which is also very important in sustainable plantain production. So those are the points I wanted to, remarks I wanted to make. Bonjour à tous. Je suis Ikak Salomon. Bon, j'ai plusieurs casquettes, mais je voudrais me présenter sous la casquette de consultant. J'ai beaucoup travaillé dans la banane et je représente la Chambre d'agriculture par rapport à l'invitation qu'elle a eue. Donc, je voudrais déjà remercier la présentation et toutes les formations que FAB a faites sur la culture de la banane, surtout la lutte contre les charançons.
Et mon prédécesseur m'a pris un peu, il a parlé des nématodes. Parce, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que les formations sont bien, mais l'une des choses, la première, et la dame elle a parlé de ça tout à l'heure, comment faire, parce que je pense que Faba s'attaque au problème parce que les plantations existent aujourd'hui. Et il faut bien lutter contre les ravageurs qui sont existants. Mais l'une des choses premières, je pense, c'est une suggestion pour la formation, peut-être qu'il faut commencer par dire aux gens comment prévenir déjà ces attaques. Quelles sont les méthodes pour entretenir des parcelles, donc pour qu'on plante déjà sur des parcelles saines avant de commencer à lutter. Alors, Madame Pauline Diane, elle a fait une présentation remarquable, un témoignage remarquable, et elle a aussi parlé un tout petit peu de ça, mais je pense qu'il faut approfondir. Il faudrait déjà que les personnes qui ont des grandes surfaces sachent que avant de planter, il faut assainir, il faut planter sur des parcelles saines. Ce qui fait que les attaques, déjà, avant qu'elles ne viennent, parce que très souvent, il faut parler donc des méthodes de jachère aussi pour les parcelles existantes. Comment faire en sorte que lorsqu'on a planté sur un terrain, qu'on ne replante pas plusieurs années successives dessus pour éviter qu'il y ait des attaques. Il y a aussi les associations parlant des charançons, des nématodes, parce que c'est important. Le charançon, il fait des galeries et ça fragilise le tronc parce que les galeries sont là. Mais le bananier aussi se renverse parce qu'il n'a pas assez de racines. Et ça, c'est le problème de nématodes. Alors, des associations parfois dangereuses qui sont faites, ou alors des cultures, des précédents culturaux. Lorsqu'on va planter, par exemple, du plantain sur un champ qui a précédemment eu du maïs, c'est très dangereux. En fait, je pense que c'est des suggestions que je veux pour que je donne pour que Faba s'appuie également là-dessus pour élucider et permettre qu'on ait une productivité assez élevée. Merci. Je veux aussi dire quelque chose. Je voudrais remercier Faba pour son approche. Vous avez parlé des tonnages, en même temps vous avez parlé du charançon. Faba dit très haut ce que les vulgarisateurs ont toujours dit, mais que les gens n'appliquent pas. C'est-à-dire que plus vous avez de bananiers à l'hectare, plus vous nourrissez les charançons. Le nombre de bananiers, que ce soit en touffe ou en densité très grande, attire les charançons, parce que les charançons ne viennent pas en guerre. Ils viennent pour se nourrir, pour développer leur race. Donc, plus vous donnez la possibilité aux charançons de se nourrir, plus vous avez des résultats économiques qui seront nuls. Donc, en diminuant le nombre de pieds, c'est-à-dire de rejets par étonnage, par exemple, vous êtes en train de réussir en partie votre projet. De même, quand ils auront le temps de nous enseigner les autres choses, il faut savoir que l'espace, c'est d'abord la lumière pour faire la photosynthèse. Si on a trop de pieds, nous ne pouvons pas augmenter la quantité de lumière qu'il y a sur un hectare. De même, la quantité de minéraux qu'il y a dans le sol ne va pas augmenter si vous augmentez le nombre de pieds partout. Tout de suite, le résultat est négatif. Donc, en insistant sur les tonnages et le charançon, je crois que nous commençons à mettre en exergue le mouvement qui pourrait demain permettre qu'en appliquant les autres méthodes culturales, nous arrivions à un résultat probant. C'est ce que je voulais dire sur cette intervention. Je vous remercie. Je suis Meignet Jean-Marie, je suis pasteur, mais j'ai été vulgarisateur agricole quand j'étais jeune. C'est ça mon frère. Bonsoir à tous. Je suis Madame Ngassi Edwige Dor. Je suis conseillère dans le projet ACEFA.
et conseillère dans nos projets FABA. Je voudrais ajouter une réponse à la question de madame. Elle a posé des questions très intéressantes. Elle a dit, où prendre les troncs de bananeraies dans un champ vierge? Donc, ça veut dire qu'elle vient de commencer. Elle va prendre donc les troncs de bananeraies où? Pour faire les pièges. Alors, je vais tout de suite dire à madame que quand le champ est vierge, généralement, nous ne faisons pas de pièges parce qu'il n'y a pas de problème. Dans un nouveau champ, un champ qu'on n'a jamais cultivé, vous n'allez pas trouver de problème les premières années. Bon, vous avez, elle a encore posé la question. Elle a dit, où prendre les rejets? C'est ça, madame? Oui. Dans les champs vierges, les charançons, on ne prévient pas parce qu'il n'y en a même pas. Oui, c'est à partir de la deuxième année ou la troisième année que nous commençons donc à mettre les pièges pour attraper les charançons s'il y en a déjà. Donc c'est aussi une forme de prévention. C'est aussi une forme de prévention. Alors, on remercie le président de l'ANPCC pour les producteurs qui a recommandé que toutes les régions devraient être sensibilisées à toute cette dynamique-là. Sylvain, tu répondras au étonnage à deux successeurs. Maintenant, pour les pratiques à grande échelle, les charances nématodes qui sont également dangereux, comptabilité, comptage des fleurs à prendre en compte. Je voudrais juste signaler qu'on a 13 vidéos et qui traitent de toutes ces différentes thématiques. Donc, prenez juste votre mal en patience. On a testé la vidéo sur les charançons. Puis, on vous a présenté aujourd'hui la vidéo concernant le tenage. Il y a la vidéo sur les nématodes qui viendra, la vidéo sur les prévisions des récoltes qui viendront. Ainsi de suite, il y en a comme ça 13. Donc, qui vont pouvoir balayer un ensemble de thématiques. Donc, prenez juste votre mal en patience. Donc, même chose pour les autres points, les suggestions qui sont les bienvenues, monsieur Nkak, et qui sont dans les différentes vidéos. Donc, il n'y a pas de souci. Vous prenez le temps d'aller sur le site et regarder profondément les deux premières vidéos. Et Sylvain pour Eutenage, à deux successeurs. Merci. Oui, alors on va faire court, hein, mais parce qu'on va finir par faire un cours technique. Mais oui, l'œilletonnage, c'est important. C'est important pour avoir des plus gros régimes. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, le bananier, il a besoin de lumière. Et donc, quand on plante 1000 bananiers, si on ne fait rien, l'année d'après, on en a 4000 ou 5000. Donc, vous vous rendez compte qu'il n'y aura plus assez de lumière pour tous les bananiers. Donc, les régimes seront plus petits. Alors, deux successeurs, ce n'est pas 5 ou 10, c'est 2, c'est bien. Il y a des plantations où on pratique ça sur les bordures où il y a plus de lumière. En général, dans les grandes plantations industrielles, par exemple, on laisse 2 successeurs. Ça permet, là, il y a plus de lumière, donc le bananier peut apporter largement 2 régimes. Après, plus on laisse de successeurs, on en a parlé un peu, plus il faut mettre d'engrais, parce que le bananier, il faut bien qu'il puise quelque part sa nourriture. Et puis, on peut aller plus loin dans le raisonnement. À Djombé, la recherche travaillait sur plusieurs options pour essayer de permettre aux producteurs de produire mieux. Et quand on n'a pas la capacité d'avoir une jachère, quand on n'a pas la capacité d'avoir du matériel propre, et ben, de sain, ben, y a aussi des solutions que Dr Kwa, un éminent agronome du Carpap, avait testé. C'était de travailler directement à haute densité. On sait que sa parcelle ne va pas vivre longtemps. Du coup, on met beaucoup de bananiers. Donc là, largement, on peut utiliser 2 ou 3 successeurs. Du coup, c'est du one shot, c'est une parcelle, une fois, à très haute densité, qui va produire beaucoup de régimes. La difficulté, c'est que derrière, il faut être capable de récolter tous les régimes et de les emmener au marché au même moment. Voilà. En tout cas, plein de choses sont possibles. Il y a encore plein de choses à faire sur Banane Plantain.
Je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Eric. Hein. Effectivement, nématodes, il y a un grain spécifique sur les nématodes. C'est le troisième qui va sortir. Il sortira le mois prochain. Donc, il y aura des éléments de réponse. Et on va parler de la jachère. Il y a eu plusieurs réactions, plusieurs personnes qui ont pris la parole sur ce point. La jachère est très importante. Et moi, par exemple, quand je suis venu, je suis arrivé à Douala cette fois. Et je suis venu par le nouvel autoroute. Presque tout le long de l'autoroute, on voit qu'on a défriché la forêt et qu'on a mis des plantains dedans. Après la forêt, le sol est neuf. Alors, il est très riche, mais il est neuf. Il n'y a pas de nématodes, il n'y a pas de charançon. Si le matériel qu'on a mis dedans, c'est des rejets qui viennent de parcelles, on a déjà amené les nématodes et les charançons. Voilà, c'est pas grave, c'est fait. Mais c'est important de bien comprendre ça. Ça veut dire que la pérennité de ces parcelles, elle est déjà impactée. Donc, quand on fait une nouvelle plantation, il est vraiment important de faire une jachère. Et si on peut, de mettre du matériel sans. Voilà pour les réponses rapides. Je ne sais pas si on continue les questions ou si on... Encore 5 minutes de questions ? Bon, alors encore 5 minutes de questions. Merci. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Fongé Percy, je suis agronome chercheur et en même temps représentant du président de la filière Banane Plantant, l'association nationale. C'est juste une proposition, je viens de la côté du pays quand on parle anglais et quand je vois des ressources bien comme ça, je proposais que même un subscript en anglais parce qu'avec des solutions comme ça, on va partager avec nos coopératives. Peut-être dans les zones d'anglophones. Donc, c'est une proposition que je voudrais que vous preniez en compte. Merci. OK. Bonjour à toutes et à tous. Et merci déjà à Faba de nous avoir conviés à cet important atelier. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit. Mais venant du terrain, j'aimerais vous dire que la véritable menace aujourd'hui pour le bananier plantain, c'est le feu de brousse. Est-ce que dans les thématiques qui ont été abordées, dans les 13, 14 vidéos, ce problème de feu de brousse sera abordé? Merci. OK. Bonjour tout le monde. C'est vrai, on n'a pas pensé au... Mais on a quand même aussi pensé à d'autres phénomènes tels que le vol. Et on en a parlé. Je pense que vous aurez la possibilité de découvrir dans la suite. J'aimerais compléter la réponse de Sylvain concernant une question qui a été posée ici à l'extérieur derrière. La dame était vraiment inquiète, disant si on a 2500 pieds, dans la parcelle, comment est-ce qu'on veut faire 2500 pièges? Je voulais juste compléter la réponse en disant pour 1 hectare, 40 pièges peuvent suffire. Il y a la possibilité de répartir 40 pièges dans 1 hectare et récolter et renouveler. Donc, c'est tout. Enfin, le micro arrive au fond. Bonjour tout le monde. Oui, moi c'est Emmanuel Missou, auxiliaire de douane, mais passionné par l'agriculture. Oui, j'ai une préoccupation. Aujourd'hui, Faba a constaté que les producteurs de la filière banane plantain, leur production, ils sont incapables de satisfaire la demande nationale dans la production. Voilà pourquoi est-ce qu'ils nous ouvrent des formations. Maintenant que nous avons déjà accueilli toutes ces formations,
nous avions l'intention de produire à la grande échelle. Est-ce FAB aussi n'est pas aussi capable de pouvoir nous donner des conditions à remplir pour pouvoir pour obtenir un financement auprès de lui et produire à la grande échelle? Parce que lorsque nous sortons de chez nous, nous avions tous l'intention de créer des grandes industries. Est-ce avec la formation que nous avions reçue, nous devions nous limiter à produire un hectare? Personnellement, Makopka est dans le 10, 20, 30 hectares, mais n'a pas de possibilité. Quelles sont les conditions à remplir pour avoir un financement auprès de FABA pour produire à la grande échelle? Bien, merci pour les questions, merci pour les observations et les questionnements tout autant pertinents les uns que les autres. On est carrément arrivé à la fin de cette articulation et à la fin de la journée. On va prendre des mots, le mot de fin du coordinateur du projet FABA et puis le mot de fin du représentant du ministre. Voilà, et puis la journée sera terminée. Voilà, Sylvain. À toi le mot de fin, peut-être que tu pourras commenter quelques observations en terminant. Merci Eric. Alors juste, oui, avant de passer sur quelques mots finaux, monsieur, oui, il y aura un sous-titrage anglais. Alors je voudrais préciser d'abord que les vidéos sont sur YouTube, et sur YouTube, elles sont automatiquement sous-titrées dans les options. À chaque fois que vous regardez une vidéo, le sous-titrage apparaît. Donc vous pouvez déjà les regarder en anglais, en espagnol et toutes les langues du monde qui existent sur YouTube. C'est pas parfait, parce qu'en fait, c'est généré automatiquement, et même si l'intelligence artificielle est très à la mode, c'est encore... Ça marche, oui. Et on va, dans le projet, plus tard, probablement sortir des fichiers qui permettent d'avoir un sous-titrage propre en français, en anglais, au moins, et peut-être en espagnol. Voilà, c'est pas encore fait, parce que tout est long à faire, mais c'est prévu. On a parlé de feu de brousse et de vol. Alors ça relève pas complètement de l'agronome, mais j'ai quand même une bonne réponse. Dans le manuel qui synthétise tout, on parle des feux de brousse et on parle du vol. On parle par exemple de comment on peut marquer des régimes pour les retrouver sur le marché. Alors ça n'empêche pas le vol, mais ça permet de dissuader. Et probablement qu'il y a des éléments de réponse pour le feu. Alors, question financement, le monsieur qui est intervenu au fond là-bas, bon, il n'écoute pas, alors je ne sais pas s'il écoute, ça y est. Je suis désolé, mais FABA, en fait, n'a pas de financement. En fait, FABA, c'est un projet qui a été financé par le ministère pour créer des ressources pédagogiques, mais il ne finance pas des projets. Par contre, je suis certain que si vous allez vers vos ministères ou vers les organisations professionnelles qui vous entourent, ils vous aideront à monter des dossiers pertinents pour aller ou des bureaux d'études qui accompagnent au management, à la création d'entreprises rentables. Je suis certain que vous pouvez trouver les compétences au Cameroun. Bon, voilà. On aurait pu. Je vois qu'on aurait pu discuter tout l'après-midi, peut-être même demain et après-demain. Alors moi, ce que je retiens, c'est que il y a un intérêt très fort pour la banane plantain. D'abord, on l'a vu par le nombre de personnes présentes ici. La salle était trop petite. On est désolé, mais on ne pensait pas que tout le monde viendrait et avoir un tel intérêt. Donc ça, c'est merci de votre intérêt. Merci d'être venu. Et surtout, c'est très important parce que ça montre un intérêt très fort pour cette filière, pour ce produit qui est important pour le Cameroun. Ce que je retiens aussi, c'est que il y a dans la salle, j'ai entendu les commentaires, beaucoup de représentants de fêtières, de groupes de producteurs, de régions. Je n'ai pas tous les bons termes parce que je ne les maîtrise pas. C'est intéressant, c'est très intéressant parce que je pense que c'est vous, le prochain engrenage qui va permettre d'aller former les gens qui sont au plus près des producteurs sur le terrain, ceux qui les conseillent au quotidien. Et donc, merci pour votre présence. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous encore. Dans ce truc.
seront là demain encore pour, voilà, pour qu'on réfléchisse vraiment à comment on opérationnalise ça. On voit bien que la filière plantain est très importante. Et moi, alors ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur bananes plantain. J'ai jamais vu une salle avec autant de producteurs, autant d'animateurs, de GIC, etc. Et j'ai envie de tirer un peu le fil et de dire au Minader, il y a peut-être quelque chose à tirer. Là, il y a plein de gens. Peut-être il faut pas se dire au revoir comme ça. Peut-être il faut... Je sais qu'il existe une association des producteurs de plantain, mais je pense que la meilleure façon pour répondre aux questions, pour trouver des financements, pour trouver des solutions techniques, pour être aidé, tout simplement, c'est de s'organiser. Et nous, le CIRAD, on est prêt, et je réitère notre positionnement, à accompagner les institutions politiques camerounaises pour la structuration d'une filière, écrire des feuilles de route, comme il existe une feuille de route café, il existe une feuille de route cacao. On pourrait très bien avoir une feuille de route cacao qui s'écrit autour de la table des producteurs, des animateurs de GIC, des gens de la recherche, pour aller ensemble vers produire plus sans pesticides. Et puis, avant de remettre la parole à Eric, moi, je vais remettre cette écharpe à Pauline, parce que quand même, son témoignage était un magnifique témoignage de Faba. Donc, je vous remercie. Et on va dire que c'est une citoyenne Faba et la meilleure ambassadrice qu'on ait trouvée aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Pour embrayer à Pauline, la nouvelle citoyenne Faba, je voudrais profiter pour présenter toute la dynamique équipe Faba qui vont se lever avec leurs écharpes, juste pour que tout le monde les voie. Voilà. Voilà. La dynamique équipe Faba, avec deux représentants de la Côte d'Ivoire qui peuvent se signaler, deux représentants de la Côte d'Ivoire, voilà, qui sont là. Voilà, les Camerounais qui sont là, avec moi compris. OK. Voilà, et les Français qui ne se présentent plus. Bien. Sur ce, nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie officielle de présentation de la mallette pédagogique Faba au Cameroun. Une cérémonie similaire est en cours d'organisation en Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest. Nous remercions la CEMAC qui est ici présente et qui portera le message à d'autres pays de l'Afrique centrale. Okay. Nous remercions tous les institutionnels qui se sont déplacés, les délégués régionaux qui sont déplacés de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest, Nord-Ouest qui se sont fait représenter, toutes les ONG, toutes les structures internationales, le COLEACP qui est ici représenté, le Horticam ici représenté, l'ANPCC et le CICC représenté, la SNOPCAM, la concertation des organisations de producteurs, la FBPC, ici représentée avec les différents présidents de coopératives, de GIC, la formation agricole avec tous les directeurs des écoles techniques d'agriculture, des écoles publiques, des écoles privées, des universités privées, la FASA avec le professeur Tankou qui est bien représenté, ok, et nous remercions tous les acteurs du Conseil agricole qui sont également tous représentés. Et au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, je me permets de déclarer la cérémonie de présentation officielle de la mallette pédagogique Faba clôturée. Je vous remercie.